Ok, allons-y. La magnificence et la louange, l'adoration et l'élévation. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Amen, Shekina, la 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 la. Tika, le consalo. Mon nous sommes en même temps, nous avons le nous ma dette paye pour nous tigna. La douceur donne. Alléluia. Il n'y a aucune question que tu passes sans me toucher. Il n'y a aucune question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Acclamons le Seigneur, bénissons son nom très saint. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de nous rassembler encore. Thank you for all you have done for us. Thank you, Jesus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, le Seigneur. Nom de Jésus. Amen. Acclamons la sœur qui nous a introduit avec son jingle la session de ce soir. Shalom, 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 bien-aimés en Christ et chers amis de Bible Méditer, Vie Gagnée en collaboration avec notre
organisation sœur de Facebook qui s'appelle Encouragement Fortifie Moi. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce programme de prière hebdomadaire des vendredis. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 décembre de l'an de grâce 2022, le deuxième vendredi du mois de décembre donc. Et je suis le frère Orphée. Rapidement, allons en salle pour accueillir nos leaders et sœurs qui nous attendent et pour présenter le programme et nous mettre au travail comme d'habitude. Et déjà en salle, j'ai la sœur Nathalie Lachante qui nous a entretenu tout à l'heure avec le jingle. Sœur Nathalie, bonsoir. Shalom, frère Orphée. Shalom à toutes et à tous. Soyez bénis. Sois béni. Comment ça se passe à Lomé? Tout va bien? Oh, béni Seigneur, il te fait grâce. Et même, il fait au-delà de nos attentes. Amen. La chanson que tu as chantée tout à l'heure, il faut m'apprendre, hein, parce que je connais le son, mais je ne connais pas la parole. Après, tu vas me prendre et tu vas m'apprendre. Je vais devenir ton élève. Ok, pas de souci. Pas de souci. Dieu te bénisse, ma sœur. Nous avons la sœur Roberta aussi. Qui nous a rejoint. Sœur Roberta, bonsoir. Bonsoir, frère Orphée. Bienvenue, ma sœur. Comment ça s'est passé, les obsèques de maman? Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Donc, tu es toujours à Lomé, tu n'as pas encore, tu n'es pas encore retourné en Europe. Oui, je suis toujours... La sœur Roberta me revient en force et en puissance. Après, tout ces moments très mouvementés. Sois la bienvenue. On est contente de t'avoir. Merci beaucoup. Merci pour vous. Elle a retrouvé son sourire. C'est pas facile de perdre une maman, surtout une maman qui a tellement fait dans nos vies. Que Dieu l'accueille dans son repos éternel et pour l'éternité. Et aussi que Dieu te fortifie toi, parce que tu es devenue maintenant la maman de tes enfants aussi. Et la grand-maman bientôt de tes petits-enfants. Donc, que Dieu te fortifie et te garde et te protège surtout. Amen. Je dis toujours que ce sont les enfants qui doivent enterrer leurs parents. Yes. Ce ne sont pas les parents qui vont encore enterrer leurs enfants. Tout à fait. Dieu nous fait la grâce d'enterrer nos parents. Alléluia. Mais on prie pour que Dieu nous aide et détruise toute malédiction qui pour certains parents a enterré leurs enfants. Amen. On ne compte pas ces choses dans nos familles. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, et nous Amen. Sommes que trois en attendant que les autres nous rejoignent. Et je vais nous présenter le programme de ce jour. Mais bien avant cela, une volontaire pour ou un volontaire pour nous prier. Ou bien si vous voulez, je peux prier pour introduire. Je peux prier. You are welcome. D'accord, avec votre permission, prions ensemble. Éternel notre Dieu, béni soit ton Saint-Nom. Alors que d'autres personnes sont allées ailleurs, nous nous retrouvons à ton pied, comme l'a fait Marie en son temps, quand tu as visité Marie et Marthe. Parce que nous savons que c'est seulement dans ta présence que nous retrouvons toute la plénitude de ton esprit. Et c'est sous ta puissance que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour cela, nous disons merci, merci, merci. Même cette grâce que tu nous permets de nous réunir. Nous prions aussi que ceux qui sont en route pour nous rejoindre, Seigneur, tu les amènes à bon port. Ceux qui nous suivent de près comme de loin sur nos autres plateformes, Seigneur, que tu puisses disposer leur cœur pour recevoir tout ce que nous aurons à partager fraternellement, dans le nom de Dieu. Comme nous savons que l'ennemi aussi ne dort pas, et surtout quand nous engageons dans les œuvres, tu sais, tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons, de parler de nouvelles langues, de triompher du serpent, et même si les breuvages mortels nous sont donnés, ça ne nous fera aucun mal, et que nous pouvons aussi imposer des mains aux malades, et les malades seront guéris. Nous prenons cette autorité, nous l'exerçons. Et nous croyons, nous déclarons que tout âme forgée qu'on a en ces lieux, en ce moment, est sans effet et que toute la preuve en justice pour nous, elle-même condamnée en jugement, est rendue silencieuse dans le nom de Jésus. Nous déclarons que seule la bénédiction de l'Éternel nous enrichit.
et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Donc, Amen. Nous déclarons que quand l'Éternel est notre berger, nous ne manquons de rien. Peu importe la difficulté, nous ne manquerons jamais de rien. Car il nous va nous faire reposer dans le vert pâturage et nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure toujours notre âme. Merci Seigneur pour la restauration que tu nous donnes en cette fin d'année. Et nous savons que nous habitons, nous demeurons dans ta présence et sous ta puissance éternellement dans le nom puissant de Jésus. Là, Seigneur, nous prions que cet endroit soit saturé par le sang de Jésus, que le nom de Jésus soit invoqué, que tout genou fléchisse et toute la confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé en Christ, nous poursuivons donc avec le programme. Nous nous rappelons que ce mois de décembre, le Seigneur nous a mis à cœur de nous entretenir sur la fameuse parabole de l'ivraie et du bon grain. Et nous avons développé la thématique autour de cela. Aujourd'hui, le sous-thème du grand thème de décembre, le voici. Saint-Esprit, nous savons que l'issue de l'an qui arrive, 2023, se joue maintenant pour ceux qui sont dans la foi et qui sont en Christ. C'est pour ça que nous prions que tu nous préserves de la méchanceté et que tu nous combles de ta bonté. Nous te supplions que tu nous guides pour fuir tout ce qui est mal et ne faire que du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour appuyer justement cette sous-thématique d'aujourd'hui, nous avons pris des références bibliquement correctes en psaume 35, versets 4 à 7, psaume 109, versets 4 à 7 aussi, Job chapitre 3, versets 1 à 26, Matthieu 13, versets 24 à 30, Jean 7, versets 40 à 52, et finalement, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 7 à 16. Voilà. Et ceci va se dérouler en quelques sessions, comme nous le faisons d'habitude. Donc, je nous invite à voir l'écran. Je vais vous présenter comment va se subdiviser la réunion de ce soir. Notre premier moment, nous aurons un temps réservé à l'exhortation. Ils nous auront partagé la parole de Dieu, partagé les témoignages et puis nous fortifier davantage autour du thème de ce soir. Dans un deuxième temps, nous allons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et notre sœur, la chante Nathalie, va nous accompagner pour quelques temps. Ensuite, la troisième session nous permettra de nous réconcilier avec Dieu, avec soi-même et avec les autres, et de nous repentir et demander pardon, de nous donner mutuellement pardon. Quatrième session, qui est la dernière, sera le temps réservé à la prière d'intercession et des déclarations prophétiques avant notre sortie par un appel de salut et puis le partage de la bénédiction. Voilà à peu près, les amis, ce qu'on vous propose comme menu de ce soir. Si vous êtes d'accord, vous me dites OK et puis on va continuer. OK. Ça vous convient, très bien. Alors, revenons à l'essentiel. L'essentiel consiste à prendre nos Bibles et à nous répartir la lecture, comme on le fait d'habitude dans nos réunions de vendredi soir. Prenons nos Bibles. De préférence, si vous avez la version Louis II de la Bible, tant mieux. Sinon, si vous avez d'autres versions, il n'y a pas de problème. Et voilà, on va faire la répartition. Je recommande que le psaume 35 du verset 4 en 7 soit lu par la sœur Roberta. Ensuite, le psaume 109, 4 à 7 soit lu par la sœur Nathalie. Ensuite, okay. Le livre de Job, chapitre 3, du verset 1 à 26, je veux m'en occuper. Ensuite, Matthieu 13, verset 24 à 30, soit lu par la sœur Roberta.
Ensuite, Jean 7, verset, et chapitre 7, verset, pardon, Jean 7, verset 40 à 52, soit lu par la sœur Nathalie. Et je vais boucler la boucle avec le livre des Actes au chapitre 21, verset 7 à 16. C'est bon, ça vous convient dans le rôle qui nous est Ouais, donné? ça marche. D'accord, OK. Donc, nous allons inviter la sœur Nathalie. Non, la Non, la sœur sœur Roberta. Roberta a commencé pour nous. Sœur Roberta, psaume 35, verset 4 à 7. Fais-nous découvrir encore ce psaume, s'il te plaît. Ton micro. Voilà, on dirait qu'elle est sortie de la ligne. Donc, ce n'est pas grave, je vais. De Ah. connexion. Ouais, elle avait peut-être une déconnexion. En attendant qu'elle revienne, je reprends. Il y a la sœur Gina qui nous a rejoint. Sœur Gina, bonsoir. Voilà, bienvenue la sœur Gina. Je crois qu'elle devait être au travail ce soir. Sœur Gina, bonsoir. Tu nous reçois? Son micro est fermé. OK, il n'y a pas de problème. Entre-temps, la sœur Roberta essaie de nous rejoindre encore. Sœur Gina, tu nous reçois? Ton micro est fermé. Oui, allô, allô. OK, d'accord. Allô. Sœur Roberta, tu es revenue? Oui. Je t'ai coupé tout à l'heure, là. Oui, je pense que c'est à cause de la connexion. C'est ça. Ce que je recommanderais, c'est que tu éteignes la vidéo et que OK. tu sois seulement en mode audio. Ça ne nous gêne pas du tout. OK. Comme ça, tu auras moins de bandes passantes et tu n'auras pas à être coupé dans la connexion. OK. C'est Donc, voilà, à toi l'honneur, hein, de commencer avec le psaume 35 du Psaume 30. verset 4 à 7. C'est bien ça. Ok. Ça nous dit la parole. Ok. De ce psaume 35, je lis la parole, l'oracle de l'Éternel. Psaume 35, à partir du verset 4. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qui reculent et réjouissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Un moment, s'il vous plaît. Le temps de charger notre rubrique en ligne qu'on puisse suivre parce que n'oubliez pas, nous sommes aussi suivis sur nos autres plateformes, notamment WhatsApp. Et donc, la rubrique est lancée sur la plateforme WhatsApp. Et nous allons inviter donc la sœur Nathalie à nous lire le psaume 109 du verset 4 à 7. Sœur Nathalie, que dit la parole? D'accord. Je lis psaume 109, du verset 4 à 7, dans le sang de Jésus. Amen. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je cours à la prière. J'ai recours à la prière. Moi, je recours à la prière. Mais ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour l'amour. Lorsque le fil d'autorité dans mes champs. Et quand l'accusateur se tienne à sa droite, quand l'on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Et que sa prière passe pour un péché. Amen. Amen, amen. Ce sont des psaumes assez puissants, hein? Et nous allons expliquer cela quand on aura fini de lire toutes les références bibliques choisies ce soir. Alors,
Je vais suivre votre bel exemple. Je prends le livre de Job au chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 26. Voici ce que déclare la parole. Verset 1 nous dit: Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, verset 3, Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Verset 4. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Verset 5. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, et que la nuit et que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Verset 6. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les rois, les mois. Verset 7. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Verset 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Verset 9. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. Verset 10, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Verset 11, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sorti de ses entrailles? Verset 12, pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Verset 13, je serai couché, maintenant je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. Verset 14, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées. Verset 15, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent, et qui remplirent d'argent leur demeure. Verset 16, où je n'existerai pas. Je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Verset 17, là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Verset 18, les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Verset 19, le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Verset 20. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Verset 21. Qui espère en vain la mort et qui la convoite comme plus qu'un trésor? Verset 22. Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? Verset 23. À l'homme qui ne sait où aller. Et que Dieu cerne de toutes parts. Verset 24, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et verset 26, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Amen. Amen, amen. C'est vraiment un texte triste, hein, où Job se plaint après tous les malheurs qui lui sont tombés sur la tête. On a vu ça la semaine dernière. On poursuit donc la découverte de ces écritures qui renforcent la thématique d'aujourd'hui et nous invitons la sœur Roberta à nous faire découvrir Matthieu 13, versets 24 à 30. Matthieu 13, versets 24 à 30. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 13, 24 à 30. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée et donnait du fruit, L'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire,
Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. Dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître l'ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. L'oracle de l'Éternel. Amen, amen. Merci beaucoup. C'est vraiment puissant hein, comme parabole. Quand nous voulons faire du bien, il y a d'autres qui veulent semer de sable dans notre acheke. C'est ça, hein? Mm-hmm. C'est rien. Mais on va décortiquer tout ça là tout à l'heure. Alors, nous poursuivons. C'est ça. Nous allons continuer la redécouverte des Écritures ce soir. Nous invitons la sœur Nathalie à prendre Jean 7, verset 40 à 52. Jean 7, verset 40 à 52. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est venu le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Le chrétien ne dit-elle pas que c'est de la prospérité de David et que du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir. Il eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principautés, les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dit, pourquoi ne pouvez-vous pas l'amener? Les huissiers répondirent, jamais nous ne pouvons mener. L'homme n'a parlé comme ce fou. Les pharisiens leur répliquaient, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont les maudits. Ce sont les maudits. Mmh. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on ne l'attende et qu'on ne sache ce qu'il a fait. Il lui répondit, es-tu aussi Galiléen? Examine et tu verras que de Galilée, il ne sortira point de prophète. Amen. 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 Ça, c'est aussi un texte sur les hostilités qui commençaient à monter contre Jésus à cause de la jalousie, à cause de l'envie que lui portaient les pharisiens et ceux qui étaient en autorité en son temps. Parce que Jésus faisait mieux qu'eux. On en reparlera tout à l'heure quand on va décortiquer. Alors, le dernier passage à
découvrir ce soir, c'est dans le livre de Actes 21, du verset 1 à 16. Lisons la parole de Dieu. Verset 1 nous dit ceci. Actes 7, 21, verset 1 à 16. Verset 1. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos. Le lendemain, à Rhodes et de là à Patara. Verset 2 nous dit, et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers Phénicie, nous montâmes et partîmes. Verset 3. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous lui laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie. Et nous y abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Verset 5. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Verset 6. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant allés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Verset 9. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Verset 11. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Verset 13. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en méprisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Verset 14. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Verset 15. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Et le dernier verset 16. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Amen, amen, amen. Nous venons ici d'explorer les quelques références bibliques qui ont été proposées ce soir pour renforcer la thématique du jour. Je rappelle que dans la thématique, nous prions le Saint-Esprit en lui disant que l'issue de l'an 2023, qui est l'année prochaine, se joue aujourd'hui et maintenant. Alors, amen. Qu'il nous préserve de la méchanceté, quel que soit d'où ça vient, de qui ça vient, mais qui nous comble de la bonté qui vient avant tout de lui. Et nous supplions aussi le Saint-Esprit de nous guider pour fuir tout ce qui est mal et faire tout ce qui est bien. Ceci dans amen. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons d'écouter les différents passages et aussi la thématique du jour. Qu'est-ce que cela nous dit? Comment est-ce que nous nous sentons interpellés? Ce soir, nous voulons parler de la méchanceté.
et de la bonté. Comment les gens sèment de la méchanceté dans nos vies, dans nos initiatives, dans nos familles, et comment Dieu sème sa bonté dans nos vies, dans nos initiatives, dans nos familles, etc. La première question que je veux poser à chacun de nous, c'est quoi la méchanceté? Qui peut me donner une définition de la méchanceté? Qu'est-ce que la méchanceté? Moi, je pense que la méchanceté, c'est de nuire son, de faire du mal ou de nuire son prochain. OK. Ensuite, qui d'autre? Ce que je peux rajouter à ma grande sœur, c'est de faire du mal à une personne qui te fait du bien. OK. Très bien. Qui d'autre? Il y a Gina qui nous a rejoint, mais son micro est toujours coupé. Gina, tu peux nous écouter? Tu nous entends? Tu peux parler? Non, je pense qu'elle est toujours coupée. Il n'y a pas de problème. OK. Ben, effectivement, vous donnez quand même des définitions qui reflètent un peu la réalité. La méchanceté, avant tout, c'est un comportement d'une personne qui te fait du mal. OK. C'est le caractère. C'est une question de caractère de quelqu'un qui veut te faire du mal. Et il use de tous les moyens possibles pour te faire du mal et que tu sentes vraiment le mal. Non seulement il te fait du mal, mais il veut te voir sentir le mal pour que tu gémisses. Mm-hmm. Pour que tu en souffres. Yeah. C'est ça, c'est ce caractère. Quand tu commences à avoir ce caractère-là, tu deviens méchant. Et tu ne peux rien faire de bon. C'est ça la méchanceté. Tu veux faire de la malveillance, tu es malveillant. Tout ce que tu fais pour contre les gens, c'est pour les nuire, pour les détruire. C'est ça la méchanceté. L'autre définition, c'est la définition de la bonté. C'est quoi la bonté? Qu'est-ce que la bonté? La bonté, c'est le contraire de la méchanceté. La bonté, c'est la bienveillance. C'est ça. Qui d'autre veut enrichir ça davantage? OK. Il n'y a plus d'autres? Effectivement, la bonté... C'est aussi un caractère, c'est une qualité maintenant. La méchanceté étant un défaut, on l'a vu, on l'a détaillé. Maintenant, la bonté, c'est l'opposé de la méchanceté, qui est la qualité et non plus le défaut de quelqu'un qui veut faire du bien à l'autre. Non seulement il te fait du bien, mais il veut que tu sentes que c'est du bien qu'il te fait. Il est gentil. Il veut être gentil avec toi, il veut te bénir. Aimable. Il veut que tu te sentes à l'aise avec lui. Bref, il veut te voir sourire, rire. Il veut que tu sentes vraiment du bien dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis. Voilà, il veut que il est aimable envers toi pour que tu sentes que cette personne a une disposition de cœur qui veut faire du bien, qui est un compatissant, qui veut faire qui donne de la charité, qui est bon. C'est ça? La bonté de Dieu. OK. Maintenant, vous savez-vous qu'il y a des gens, quand ils se lèvent chez eux là, c'est pour venir faire du mal. Beaucoup d'entre nous ont été victimes de la méchanceté, non? Quelqu'un a un témoignage d'une méchanceté dont tu as été victime. Il ne faut pas te priver, il faut dire, tu as été victime d'une méchanceté. Et tu m'expliques comment tu as été victime de cette méchanceté. Quelle leçon tu as appris? Personne n'ose parler. Donc, vous n'avez jamais été victime de méchanceté. Moi, j'ai été victime de méchanceté plusieurs fois dans ma vie, mais je vais donner un témoignage. OK. Bon, je ne sais pas si... Ce n'est pas maintenant, il y a 25 ans de cela. Et j'avais donné mon papier à quelqu'un en Europe pour travailler. Et 4 ans plus tard, la personne était partie
dans le centre commercial et elle est tombée dans le coma. Et bon, pour couper court, moi je ne savais pas quand j'étais la dernière personne avec qui elle a parlé. On m'avait appelé quand je suis allée à l'hôpital, j'ai dit je veux voir telle. Ils ont dit non, et il y a telle personne qui est là. Et vous êtes sa sœur. En ce moment, mon esprit n'était pas ouvert. Vous êtes sa sœur. Je dis non. Ils ont dit, c'est pas, il n'y a pas telle personne qui est là. Bref, le lendemain, bêtement, je suis allée au travail. En ce moment, j'étais déléguée syndicale. Je suis allée au travail. C'est ça même qui m'avait pénalisé. J'étais au travail et elle est restée dans le coma 3 jours. Elle est sortie. Après, elle est restée à l'hôpital. Après, elle est descendue. Bref. Après, et la sécurité sociale a su que telle personne est dans le coma à tel hôpital. Et même personne, elle travaille dans tel département, il y a un problème. Ils ont fait l'enquête, Et cette personne dont je parle, elle était la femme d'un ministre de ce pays qui, avec à cause de divorce, elle était en Europe et moi, je l'ai aidée. Et après, on l'a convoquée parce que j'ai pris un avocat. Parce qu'ils m'ont dit, si je ne dis pas la vérité, ils vont me prendre ma nationalité, me renvoyer. Après, je dis non. Mon avocat dit, il faut dire que vous ne l'avez pas donné. Bref, après, on s'est vu en togolais, on parlait. Elle dit non. J'avais les larmes qui coulaient au fond de moi-même. Et on nous demandait au tribunal, madame, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non. Elle sait ce que je lui ai dit. Elle sait ce que j'avais les larmes aux yeux. Et heureusement, par la grâce de Dieu, l'avocat dit, écoutez, ta 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 ta. Et quand on est sorti de là-bas, je pleurais. En ce moment, j'étais Roberta. J'avais l'onction, quand je parle, Dieu, non, il soutenait ma part. Je l'aide toujours aujourd'hui, mais dans le temps, il y avait le feu. Elle-même appelait madame et maman feu. Quand je suis sortie, je dis, Seigneur, excuse-moi, je me suis substitue. Parce que je croyais que si je lui donnais ça, elle pouvait payer son loyer, subvenir aux besoins de ses enfants à elle-même. Mais regarde le retour qu'elle m'a donné. Tu dois me venger. Seigneur, tu dois me venger. Oh, moi, tous les jours, quand on donnait le sujet de prière, moi, je disais, Seigneur, ça non, ça non. Dans la semaine, sa fille, elle a volé aux États-Unis. On lui a mis l'habit de prisonnier. On lui a donné travaux forcés. Elle a balayé la rue de New York. Les gens, ils ont fait photo, ils ont mis sur Facebook. En ce moment, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Et je dis, Seigneur, ce n'est pas encore fini. Un de ses enfants, il est devenu PD. Les Togolais, ils ont fait photo. Je dis, Seigneur, ce n'est pas fini. Sa fille, elle a été frappée, fracassée même en France avec son mari. Je dis, Seigneur, ce n'est pas fini. 86 000, oui, je vais trouver. Tu dois me venger. Hein? Elle travaillait chez un avocat et un médecin. Elle faisait garde partagée. Elle gagnait plus que moi-même. Elle avait 2 enfants seulement. Elle gagnait 3 000 plus que moi-même. Moi, je n'atteignais même pas dans le temps 2 000. Elle gagnait plus que moi-même. Un jour, ils ont dit, nous avons eu convocation pour dire que le papier avec lequel vous travaillez, ce n'est pas votre papier. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous ne travaillez plus avec moi. Je dis, Seigneur, merci. Mission accomplie. Ça, je ne vais jamais, jamais, jamais oublier. Mission, je dis, Seigneur, mission accomplie. En ce moment, elle et moi, nous, on priait chez un pasteur. Et le pasteur nous a convoqués. Le pasteur a dit, il faut se rappeler d'hier. Hein?
Parce que si elle ne t'avait pas donné ça, dans le temps, quand on avait la nationalité, on ne nous prenait pas notre carte de séjour. Donc, tu peux le garder. Aujourd'hui, on te donne la main gauche, la nationalité, on te reprend la carte de séjour de 10 ans. Mais dans le temps, non. Donc, pendant 4 ans, le pasteur dit, Tcho, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi il dit non? Dans son malheur, des fois, je suis dans ma voiture. Je conduisais quand il pleuvait, des fois, il y a le tonnerre, je criais, Yehoa. Et que les derniers disent, maintenant, ici, il y avait la tempête, il y avait le vent, je disais, Seigneur, dans sa maison. Et un jour, le pasteur m'a dit non, que vraiment, elle dit qu'elle ne dort plus. Chaque fois, il y a des bruits, il y a des choses. Je dis, et Annie Gbala, vous le gommez. Elle était la seule que le ministre avait épousée dans le temps. Il avait au moins 6 femmes. Elle était la seule qui a fait mariage civil. Derrière elle, le monsieur, il a fait divorce aussi à Lomé. Je dis yes. Depuis ce jour, elle a peur de moi jusqu'au présent. Quand je prends le micro, elle dit, Venavine, on va te brûler dans le bout de Nimi. Mbenene Kobelani, un beau jour, pour couper court, au moins pendant 6 ans, je ne l'ai pas vu. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus le voir sur mon chemin. Parce qu'à chaque fois que je vais le voir sur mon chemin, je vais donner un sujet de prière. Tu es obligé de m'exaucer parce qu'elle m'a fait du mal. Pendant 6 ans, je ne l'ai pas vu. Et j'ai changé d'église. Un jour, on avait la veillée. Je devais venir avant, mais le jour-là, j'étais en retard. Parce que je suis venue, je ne sais pas où garer ma voiture. Et au moment où je rentrais dans la salle, ça a commencé. Il était 1h du matin. Normalement, on commence à 11h et 23h. Je quitte la maison 22h. Mais le jour-là, je ne sais pas pourquoi. Au moment où je rentrais dans la salle, celui qui conduisait l'intercession, la personne a dit, si vous êtes dans cette salle et que quelqu'un vous a fait du mal, il faut pardonner la personne. Quand je rentrais, je disais dans mon cœur que, oh, moi ici, personne ne m'a fait du mal. Hein. Je n'ai pas fait du mal à personne. Hein. Oh, quel est ce sujet de prière? Le temps, normalement, on ne monte pas sur podium, sur l'hôtel, si vous êtes en retard. Mais le jour-là, je voulais m'asseoir, les filles d'accueil m'ont dit, non, va dans la chorale, va dans la chorale. Et au moment où je suis allée m'asseoir, parce qu'ils ont dit, levez-vous, hein, va chez la personne, tu lui dis pardon, va chez la personne du corps aujourd'hui avant de commencer. Le temps que je m'assois, la personne est bizarrement, les sentinelles ne l'ont pas interdit. Normalement, surtout quelqu'un qui est nouvelle dans l'église, on n'aime pas qu'elle monte sur l'autel pour toucher le pasteur. Non, on n'aime pas. Mais le jour, la personne n'a rien dit. Elle a monté l'escalier. Elle est venue en face de moi. Waouh! J'ai dit waouh! Elle pleurait. Je pleurais. Elle pleurait. Je pleurais. Elle pleurait, je pleurais parce que je l'aimais énormément comme une soeur, comme une maman, comme je ne sais pas. Je pleurais. On a encore perdu la soeur Roberta. Bref, ce que nous pouvons retenir de ça, c'est qu'elle a voulu faire du bien à une dame, alors qu'ils étaient les deux étaient à l'étranger. Et ce bien, c'est donner son papier. Les gens le font hein, à l'étranger, dans la diaspora, pour qu'elle puisse trouver du travail. Elle va aller chercher du travail sous le nom de l'autre qui lui a donné son papier. Mais quand on t'attrape, il faut savoir te défendre et puis défendre l'autre. Mais dans ce cas d'espèce, la dame n'a pas défendu l'autre sœur qui lui a passé ses papiers. Et ils se sont retrouvés au tribunal, ils ont eu donc une amende à payer. Et donc, ça a fait tellement mal à notre sœur qui racontait l'histoire.
Moralité de toute cette histoire, parfois, quand vous voulez faire du bien, voyez bien la personne à qui vous voulez faire du bien, parce que ce bien que vous le faites, elle peut changer ça en mal contre vous. Soyons réellement prudents par rapport à ça. La sœur va nous revenir tout à l'heure, mais nous poursuivons. Qui d'autre a un témoignage parce qu'elle a été victime de la méchanceté humaine ou bien même de la méchanceté du diable? Qui d'autre a le courage, ce soit parler de ce que vous avez subi, parce que ça va peut-être édifier quelqu'un, enseigner quelqu'un, éveiller quelqu'un. C'est très important. Moi-même, je vais faire mon témoignage tout à l'heure des méchancetés, ou bien une ou deux des méchancetés que j'ai subies dans ma vie qui m'ont vraiment marqué. Qui d'autre? Tiens, Nathalie, tu veux essayer? Non, en fait, j'ai l'impression que il y a tout de suite, il y a eu un vide dans ma tête et dans mon cœur. Donc, le malin ne veut pas que tu dises toutes les méchancetés dont tu as été victime cette fois. Que vous ne finissiez votre témoignage, je vais me rappeler. D'accord, ok. Donc, je vais donner mon témoignage aussi à moi. OK. Quand j'avais commencé ma carrière, c'était à Accra, dans les années 1980. 1987, hein, par là. Non, non, pas 87, 97, j'allais dire, par là. 92, 93, 94, 15, 95, par là. J'avais commencé à travailler et je travaillais à Accra. OK, ils m'ont pris dans un cabinet où nous faisons de l'audit et de l'expertise comptable, mais surtout nous mettons, nous développons des systèmes de gestion de la comptabilité, de gestion du stock. Bon, bref, on essaie d'automatiser un peu toutes ces fonctions comptables, financières dans la compagnie. OK. Et dans cette compagnie, j'étais l'un des deux francophones qu'ils avaient recrutés au Ghana. Donc, c'était une compagnie. Et dans cette compagnie, la secrétaire était la cousine de la patronne. Du patron, pardon, précisément. Secrétaire, cousine du patron. Avec le patron, je n'avais aucun problème. Il me demandait le travail, je le faisais impeccablement. Mais avec la cousine qui était la secrétaire, je ne sais pas, une inimitié ou une, comment je peux dire ça, une antipathie naturelle est née. Ma tête ne lui plaisait pas du tout. Parce que d'après elle, c'est quelqu'un d'autre qu'on devait recruter, qu'elle connaît, mais que je suis venu, j'ai pris la place de la personne. C'est tout ça là son problème. Mais la méchanceté que j'ai vécue avec cette dame-là. Il arrivait des moments où quand je arrive en retard, les autres arrivent en retard, ils disent rien. Mais quand c'est pour moi là, ce jour-là, vraiment, ça chauffait. Quand on devait aller en mission, elle voit que je suis qualifié pour la mission, je dépose les choses et au dernier moment, elle trouve un argument pour convaincre son cousin que non, il ne faut pas envoyer, il faut pas m'envoyer, il faut envoyer quelqu'un d'autre. Et comme ça, là, on me retirait la mission. Tellement des choses passent. Au point où, au lieu que le patron aussi me pose des questions que je réponds, il ne voulait pas poser des questions. Des choses se disaient derrière mon dos. OK? Et j'ai vu que l'ambiance devenait vraiment insupportable. Et j'ai commencé à demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est le seul travail que j'ai au Ghana, où j'étais en ce moment à Accra précisément. Et j'aimais bien le travail que je faisais. Et vous savez ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur est tellement merveilleux. Quand tu lui poses ton cas et tu lui exposes réellement une plainte par rapport au cas de méchanceté que tu subis, le Seigneur intervient toujours. Le Seigneur m'a ouvert une opportunité. On recherchait en ce moment un francophone qui devait aller en Côte d'Ivoire pour aller gérer un dossier avec un partenaire de notre cabinet du Dakar.
Et l'autre francophone n'étant pas disponible, c'était le seul francophone qui pouvait être disponible et aller là-bas. Et c'est comme ça qu'ils m'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Tout frais payé, hein, pour une fois. Et je suis allé faire le travail qu'il faut. Le partenaire aussi était content. Le partenaire même voulait me retenir encore davantage. Il m'a retenu. J'étais parti pour 3 mois, mais finalement, j'ai fait pratiquement une année là-bas. Et ça m'a ouvert d'autres portes où j'ai trouvé du travail aussi dans une institution de la place. OK. Après, quand j'ai vu que j'avais trouvé un travail et que je ne voulais plus revenir dans cette malsaine ambiance-là à Accra, j'ai envoyé ma lettre de démission pour dire OK, moi, je vous remercie pour tout, je ne veux plus revenir et tout le reste. Et effectivement, ça a été confirmé parce que, bon, ils se sont dit, bon, bon débarras, quoi. Les amis, vous savez comment Dieu a fait encore le deuxième miracle. Là où j'avais trouvé du travail dans l'institution, ils m'ont placé à un poste où maintenant mon ex-patron et sa compagnie avaient besoin de renseignements et de services auprès de cette institution-là. Je m'occupais des consultants. OK? Et leur demande a été envoyée à mon nouveau patron dans l'institution où je travaillais. Et mon nouveau patron m'a transmis leur demande pour dire, voilà, tel cabinet qui est à Accra a besoin d'assistance de ce service que nous faisons, donc de m'en occuper. Quand j'ai vu leur dossier, j'ai retrouvé le nom, et aussi bien de l'ex-patron que de sa cousine qui s'occupait du secrétariat. J'ai dit, eh, Seigneur, c'est pas comme ça on livre quelqu'un entre les mains de quelqu'un, ça. Mais comme ma conscience professionnelle et que je savais que je devais être évalué pour le travail que je fais sur chaque dossier, j'ai fait mon dossier comme il faut. Et je leur ai envoyé un email pour dire, voilà, nous avons bien reçu votre requête pour ces services. Voilà les choses qui manquent dans votre dossier, il faut les compléter et puis nous les envoyer. Devinez ce qui s'est passé. Quand ils ont reçu mon email, mon ex-patron a pris son téléphone et a appelé mon nouveau patron pour dire, attends, nous avons envoyé un dossier pour demander un service à votre institution et un certain monsieur X, c'était moi, il parlait, leur a répondu. Il voulait vérifier si c'est effectivement c'est lui qui devait traiter leur dossier ou bien si c'est quelqu'un d'autre. Parce que j'imagine qu'il a commencé à avoir peur. Il dit, ah, ce monsieur-là, mon dossier tombe entre ses mains, alors que nous savons que quand il était à nous, on a été vraiment moche avec lui. On a été vraiment, comment je peux dire, méchant. Dernier regard avec lui. Vous savez ce que mon nouveau patron lui a répondu? Il lui dit, oui, c'est un fils qui s'occupe de ce genre de service ici pour notre institution. Et c'est à lui que j'ai transmis votre requête et c'est lui qui va vous aider. Donc, le patron m'a transféré l'appel. Et j'ai reçu mon ex-patron au téléphone. On s'est salué. Il dit, ah oui, c'est moi, j'ai votre dossier. Je vous ai même écrit. Vous devez compléter les pièces manquantes de votre dossier pour qu'on puisse vous servir, comme on nous sert déjà beaucoup de cabinets dans votre espèce qui s'adresse à nous. Les amis, depuis ce jour, je n'ai plus entendu parler de mon ex-patron. Il n'a pas continué sa requête. Il n'a pas envoyé les pièces manquantes. Moralité de l'histoire. Quelle que soit la méchanceté que vous subissez aujourd'hui, quand vous allez crier au Seigneur et vous allez demander justice, Dieu rend toujours justice. Ça là, il rate pas ça. Il rend toujours justice. C'est pour cela, chacun de nous devons faire attention quand nous sommes animés aussi par l'esprit de méchanceté. Parce que si les autres nous font subir de la méchanceté, parfois l'esprit de méchanceté nous anime aussi, hein. On veut rendre l'appareil à quelqu'un qui a été moche avec nous, quelqu'un qui a été dur avec nous, quelqu'un qui a été méchant avec nous, quelqu'un qui a été malhonnête avec nous, quelqu'un qui a été malveillant avec nous. Non, ne faites pas ça. Parce que si lui aussi crie, Dieu va juger. S'il a été victime de votre méchanceté, Dieu va vous juger aussi. C'est pour ça que la Bible nous dit ceci, que aimez vos ennemis. Ou bien, aimez les méchants, si vous voulez. Priez pour eux. Faites-leur du bien et laissez Dieu les juger. Ce n'est pas à vous de les juger, ni de les condamner. Laissez Dieu les juger. Voilà mon témoignage à moi.
pour vous dire que quelle que soit la méchanceté que vous subissez aujourd'hui, portez plainte à Dieu, c'est clair. Mais ne faites rien pour rendre justice. Laissez Dieu et régler le problème. Dans le cas de Job, vous avez vu la méchanceté dont il a été victime. Lui-même, il était là, calme. Il ne cherchait pas à parler à quelqu'un. Le diable l'a vu, pris de jalousie et d'envie, va auprès de Dieu pour dire, c'est parce que tu donnes du bien à Job, tu le laisses tranquille. C'est pour ça qu'il continue de te servir et il continue de t'aimer. Essaie de lui retirer ce que tu lui as donné, les bénédictions que tu lui as données, la famille que tu lui as donnée, la terre que tu lui as donnée, la femme que tu lui as donnée. Tu vas voir qu'il va tellement se fâcher contre toi, oh Dieu, qu'il va te maudire. Dieu a dit, tu as menti, Satan. Voilà ce qu'on va faire. Comme tu tiens à prouver que Job est mauvais et qu'il va me maudire, moi je tiens à te prouver que Job est intègre et il ne va jamais oser lever la voix contre moi. Je vais te livrer Job dans ses biens, mais jamais Job dans sa personne. Tu peux aller faire tout ce que tu veux faire contre Job, mais ne touche pas à Job. Et nous avons vu la semaine dernière comment le diable, après avoir obtenu l'accord de Dieu, parce qu'il ne pouvait rien faire à Job s'il n'avait pas l'accord de Dieu, comment il a détruit Job. Il a détruit ses enfants, il a détruit son bétail, il a détruit son patrimoine, il a même poussé sa femme à quitter Job parce que la femme ne supportait que le mari fortuné qu'il avait est devenu pauvre et a tout perdu. Et la femme a dit, maudit Dieu et meurs s'il le faut. Job a dit, je ne ferai jamais ça. Il est parti. Aujourd'hui, nous avons vu le chapitre qui nous permet de voir comment Dieu, Job a commencé à répandre ses plaintes devant le Seigneur. Il n'a pas maudit Dieu, il n'a pas condamné Dieu. Il s'est condamné lui-même, dit, maudit soit le jour où je suis né. Pourquoi même je suis venu en vie? Parce que l'amertume avait rempli son cœur. Parce que le désespoir l'avait envahi à la suite de tout ce qu'il a vécu comme malheur. C'est pas un malheur, hein, c'est des multitudes de malheurs qui lui sont tombés sur la tête. Parce qu'un méchant dans le spirituel est allé boucler un deal pour venir lui nuire, pour venir le détruire, pour qu'il puisse maudire Dieu. Mais Job n'a pas osé maudire Dieu. Job n'a pas osé. D'abord, il ne savait même pas ce qui se passait dans le spirituel, puisque c'est les Écritures qui nous racontent, mais Job n'était pas dans le spirituel. C'est après que Dieu lui a révélé cette chose. Job répand sa douleur, Job répand ses plaintes. Et Job exprime réellement ce qu'il ressentait profondément, sans oser lever la voix contre Dieu. Bien-aimé, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il des autres qui nous écoutent? Nous allons encore prendre un témoignage. Je crois que la sœur Roberta nous a rejoint. Sœur Roberta, tu es là, dans la salle maintenant, c'est bon? Ton micro? Ton micro est coupé. Et je reviens sur la sœur Nathalie. Sœur Nathalie, tu es prête maintenant pour ton témoignage? Ton micro? OK, je crois que ni l'un ni l'une, l'autre n'est disponible. Et la sœur Gina qui nous a rejoint. Sœur Gina, tu nous reçois maintenant, c'est bon? Tu nous reçois, sœur Gina? Tu nous reçois, sœur Gina? Toutes vos micros sont fermés. Vous pouvez ouvrir vos micros, s'il vous plaît, et vous prononcer. Sœur Nathalie. Oui, oui. Tu nous reçois? D'accord. Tu nous reçois. Très bien. Et la sœur Roberta, tu nous reçois? Oui. Ton micro est fermé. Tu as été coupé tout à l'heure, mais tu es revenu. OK. OK, je repose la question à la sœur Nathalie. Sœur Nathalie, tu veux partager un témoignage de là où tu as été victime d'une méchanceté ou bien tu n'as toujours pas de témoignage? En fait, j'ai un trou par rapport aux séquelles de l'AVC que j'avais fait. Mais il peut y avoir qu'il y ait un déclic et je vais me rappeler de certaines choses.
Sinon, maman, je vous écoute. Je n'ai rien de concret exactement dit. Mais personne n'est épargné de la méchanceté des humains comme des démons. D'accord. Voilà. Personne n'est épargné de la méchanceté, que cela vienne des humains, comme cela vienne aussi du monde spirituel. OK, nous avons vu le cas de Job. Et si vous voyez les autres textes que nous avons parcourus ce soir, nous voyons aussi le cas de Jésus. Vous vous rappelez quand nous avons lu le livre de Jean? Qu'est-ce que la parole nous dit dans le cas de Jésus? Vous vous rappelez bien, non? Je vais reprendre la parole pour que nous nous rafraîchissions un peu la mémoire. Dans le livre de Jean, on dit que Jésus dit ceci, que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ, et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée qui doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Et les gens ont voulu créer des problèmes à Jésus parce qu'il disait des choses de bien, il faisait du bien autour de lui. La Bible continue ceci en verset 24, dit « Quelques-uns d'eux voulaient se saisir, mais personne ne mit la main sur lui. » Ainsi, les issues que les pharisiens qui avaient pris Jésus comme ennemi, les sadducéens, ces docteurs de la loi qui étaient là en ce moment, ces autorités religieuses, ceux qu'ils avaient envoyés pour venir saisir Jésus, retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers, verset 46 de Jean 7, nous disent ceci. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous voyez ce que les pharisiens vont répondre dans verset 47. Les pharisiens leur répliquaient, est-ce que vous aussi vous avez été séduit? Vous imaginez la méchanceté? Et il pose la question, y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui avait cru en lui? Et ils vont même pas me dire en disant, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Vous voyez? Vous voulez arrêter quelqu'un qui fait du bien, qui parle du bien, qui aide les gens et tout, vous n'arrivez pas à faire. Et même les soldats que vous avez envoyés, les hommes de la loi que vous avez envoyés pour la loi, ils n'ont pas pu dire, ah, en tout cas, façon dont le monsieur a parlé, nous, au moment, on était convaincus, on ne pourrait pas le toucher parce qu'on n'avait rien vu de mal en lui, rien vu de malhonnête en lui. Pourtant, la méchanceté qu'ils avaient dans le cœur, ils voulaient encore l'esprit d'une manière ou d'une autre. Heureusement qu'il y avait un parmi eux, qui est Nicodème, qui allait voir Jésus de nuit. La verset, c'est quand on dit Nicodème qui étant venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit ceci. Verset 51. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Écoutez ce qu'ils vont répondre aussi contre Nicodème. Il lui répondit, es-tu galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Quel est leur problème? Le problème, c'est tout simplement parce qu'ils voient en Jésus un concurrent. Voilà, c'est le problème qu'ils ont. Ils voient en Jésus quelqu'un qui menaçait leur pouvoir. Bien-aimé, avant que quelqu'un se lève pour te faire de la méchanceté, c'est qu'il a vu quelque chose en toi. Mm-hmm. Et ce quelque chose en toi, il veut l'avoir parce qu'il ne l'a pas. C'est vrai. C'est parce que il a vu que tu es dans une position trop glorieuse et pris d'envie et de jalousie. Il va vouloir te descendre de cette position-là. Et souvent, c'est des personnes qui sont animées par le malin, hein, parce que c'est seul le malin qui peut avoir envie, qui peut avoir la jalousie. Et qui peut vouloir détruire
tué, volé, égorgé. Rappelé de ce qui s'était passé avant que Satan, Lucifer, l'appelait avant, soit précipité des cieux vers la terre. Dieu lui avait tout donné, il brillait. Il était le maître chantre, le chef d'orchestre, qui louait Dieu matin, midi, soir. Il y avait un moment, sa pensée a commencé à être corrompue. Ah, mais si je donne honneur à mon Créateur, alors que cet honneur-là, moi-même, je peux le prendre. Parce que j'ai tellement de choses aussi qui font de moi quelqu'un de valeureux. Pourquoi ne pas tout faire pour prendre cet honneur-là que je donne à Dieu et devenir comme Dieu? Et ça, méchanceté, vous avez commencé, vous savez ce qu'il a commencé. Il a commencé à parler mal de Dieu aux anges. Et certains anges ont été séduits par son discours de parler mal de Dieu et de vouloir renverser Dieu au point où il a pu séduire le tiers des anges. Il a voulu faire un coup d'état à Dieu. Vous voyez quelle méchanceté? Moi, je te crée et tu veux me détrôner. La Bible dit qu'il y a une guerre dans les cieux. Les anges de Dieu ont combattu contre Satan et sa horde de rebelles. Satan et sa horde de rebelles ont été vaincus, ont été jugés. Et Dieu a demandé qu'on les précipite sur la terre. Et c'est pour ça qu'ils ont été précipités sur la terre. Depuis là, on ne peut pas se reposer ici-bas. À cause de quoi? À cause de leur cœur méchant. Et tout ce qu'ils sont en train de faire sur la terre, c'est de la méchanceté. Les amis, quand vous voyez méchanceté, sachez que l'origine vient d'abord du malin. Maintenant, nous les hommes, malheureusement, nous sommes porteurs du bien ou du mal. Parce que nous aussi, nous avons voulu écouter le malin qui nous a trompés dans nos grands arrière-grands-parents, Adam et Ève. Et le péché est rentré ainsi dans le monde et nous avons eu la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'on peut faire le mal comme on peut se faire du bien. Avant, on ne faisait que du bien. Et quand l'un d'entre nous développe ce caractère de faire du mal, il devient méchant. Et l'ennemi l'utilise correctement pour pouvoir faire du mal autour de lui. Nous voulons prier ce soir pour que Dieu nous épargne de ces personnages méchants, de ces personnages malveillants, de ces personnages qui veulent maudire, détruire, nuire à tout ce qu'ils rencontrent et à tout ce que qui leur fait du bien. Nous voulons prier contre ça ce soir. Mais ce n'était pas ça le seul exemple que nous avons vu. Nous avons vu aussi l'exemple de la parabole que Jésus a donnée sur l'ivraie et le blé. Vous vous rappelez bien de cette parabole. Quelqu'un qui a son champ, qui s'en occupe bien, qui a sa clé le champ et qui veut préparer sa récolte, il choisit de semer du bon grain. Bon, certaines versions parlent du blé, qui est un peu la culture régulière des Juifs et tout. D'autres personnes parlent d'autres choses. Mais en tout cas, le bon grain. Imaginez que c'est le bon grain. Imagine que tu as ton champ et tu veux semer des bonnes choses, des tubercules comme le manioc ou bien des céréales comme le maïs et tout le reste ou bien d'autres légumineuses. Bon, toi-même, tu choisis. Et alors que tu as tout saclé, tu as semé du bon grain, voilà que quelqu'un de nuit vient pour y semer de l'ivraie. L'ivraie, c'est un peu, imaginez un peu, c'est les plantes qui sont des plantes à épines, par exemple. Les plantes qui sont là quand c'est de mauvaises herbes, quand ils viennent, ils poussent avec ce que vous avez semé. C'est pour étouffer ce que vous avez semé. Et tu te rends compte que ce que j'ai semé de bons grains commence à pousser et en même temps, des mauvaises herbes commencent aussi à pousser autour alors que je n'ai rien semé de mauvaises herbes et que ça a été saclé, la terre a été préparée et tout. Comment tu fais? C'est dans cette ambiance-là, vous voyez, la méchanceté a été semée dans une terre fertile qui devait produire quelque chose de bon. C'est comme ça, nos vies sont souvent ensemencées avec de la méchanceté, alors que Dieu a prévu quelque chose de bien pour toi et pour moi. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Quelle sagesse tu dois développer?
La première sagesse que je pense qu'il faut développer, c'est d'abord même prier pour que ces choses ne nous arrivent pas. C'est pour ça que ce soir, nous voulons prier pour que ces choses ne nous arrivent pas en 2023. Et c'est aujourd'hui qu'on doit commencer déjà à aller vers Dieu et puis à lui demander, comme Satan aussi peut nous persécuter pour aller vers Dieu, pour lui demander des choses pour pouvoir nous nuire et nous détruire. La parabole dit ceci à partir du verset 28. Non, verset 27, d'abord, je vais vous lire. Le verset 27 de Matthieu 13 dit ceci. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ou bien de la mauvaise graine semée, ou bien de la mauvaise chose semée, en plus des bonnes que tu as semées? Verset 28 dit ceci. Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? C'était la bonne question, hein, qu'on doit se poser. Donc, nous sommes victimes de la méchanceté, alors que notre cœur ne veut que faire que du bien. Nous sommes victimes de trahison. Nous sommes victimes de quelqu'un qui veut nous nuire. Nous sommes victimes de quelqu'un qui est en train de nous détruire. Comment nous gérons cela? Verset 29 nous dit, le maître dit non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30 dit ceci, laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie ou bien la mauvaise semence, liez-la en germe pour la brûler. Mais amassez aussi le blé dans mon grenier. Vous avez vu comment il a fait la part des choses. Ça veut dire que vous ne pouvez pas laisser et la méchanceté grandir dans votre cœur à côté de la bonté que Dieu veut développer dans votre cœur. Il faut séparer les deux. Quand vous êtes victime de la méchanceté, il faut savoir faire la part des choses. J'ai déjà expliqué ça un peu plus haut. C'est que d'une part, c'est normal que vous allez vous plaindre devant Dieu parce que c'est lui qui est le seul juge. D'autre part, c'est pas normal que vous commencez à demander vengeance et à vous occuper de cette vengeance-là. Parce que vous allez devenir comme l'autre. Parce que quand vous allez là-bas, c'est pour retourner le mal contre le mal. Au contraire, ce que vous devez faire dans la sagesse, ce que nous devons faire dans la sagesse, c'est de demander à ce que Dieu rende justice. Et quand vous demandez ça, Dieu rend toujours justice. Vous allez voir comment le cas de Job, plus tard, comment Dieu a rendu justice. Quand Dieu a révélé à Job ce qui se passait et a révélé aussi à Job ce qu'il devait faire et que Job a obéi exactement à Dieu, Dieu est revenu, a guéri Job qui était plein plein de maladies. Dieu est revenu, a béni Job, a le levé encore. Et Dieu est revenu en donnant à Job une nouvelle femme, de nouveaux enfants, un nouveau patrimoine. Et la Bible dit qu'il a été même béni doublement, double portion de ce qu'il avait eu auparavant et qu'il avait perdu par la faute du malin qui voulait absolument le pousser à maudire Dieu parce que le malin pensait qu'en lui retirant les bonnes choses que Dieu lui avait données, il allait se fâcher contre Dieu et il allait oser lever la voix pour maudire Dieu. Ce que Job n'a pas fait. Voilà autant de sagesse qu'il faut développer pour que l'an 2023, quelles que soient les méchancetés qui vont venir, nous soyons plus que vainqueurs contre le méchant et contre la méchanceté. Voilà ce que je voudrais partager avec vous ce soir pour ceux d'entre nous qui sont victimes de la méchanceté, qui ont été victimes de la méchanceté et qui vont être victimes de la méchanceté. Parce que tant que nous vivrons dans cette chair, sur cette terre des vivants, nous ne serons pas épargnés du mal et de la méchanceté. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à toutes ces explications? Vous pouvez ouvrir vos micros maintenant et puis vous exprimer. Y a-t-il des questions? Sœur Nathalie, tu as des questions? Sœur Roberta, tu as des questions? Sœur Gina, tu as des questions? Non, moi, j'ai pas de questions. OK. Sœur Roberta, tu as des questions?
Moi non plus, j'ai pas de questions. D'accord. Maintenant, votre cœur est guéri et que vous ne vous voyez plus comme des victimes de méchanceté, mais que vous allez maintenant être plutôt des bons exemples de comment vous pouvez convertir la méchanceté qui est faite contre vous en quelque chose de bien. Oui. Mais c'est très facile de dire que nous allons convertir quelqu'un de bien. J'ai été victime qui est au courant de quelqu'un et cette personne a su que je suis allumée. Cette personne me demande si je revenais. Elle a un colis, même pas un kilo de ramé. Je n'y ai pas répondu, mais j'ai dit dans ma tête, c'est très facile de m'avoir traité ou dire des choses ou faire des choses avec moi. Décembre comme ça, l'année dernière, ça fait un an, et jour pour jour, et à travers Frère Offray, j'ai dit, OK, je peux te parler, oui, et Roberta, condoléant, oui, Roberta, tu vas bien, oui, et elle est gonflée, elle me demande si je peux ramener quelque chose pour elle à Londres. Non, 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 non. J'ai pardonné, j'ai dit oui, babalé, oui, c'est fini. On ne devient plus amis pour me dire que ramène-moi quelque chose. Non, c'est très facile. Donc, voilà. D'accord, ça, on respecte ton opinion par rapport à ça, sœur Roberta. Et je ne veux pas trop commenter... cet épisode, parce que c'était un autre épisode douloureux de ta vie que tu as voulu partager avec moi, et j'ai parlé aussi à la personne qui t'a fait subir ces choses. Je pense qu'on s'est compris des deux côtés. Et je crois qu'elle s'est excusée comme elle le devait. Mais de là, te demander encore de lui rendre service, c'est là où moi j'étais un peu choqué, parce que moi, à sa place, je ne le ferai jamais. Je ne voulais pas te ramener ça. Et elle a laissé, j'ai dit, ah, elle se prend pour qui? L'année dernière, elle était la plus forte. Cette année, maintenant, c'est mon tour. Ah, oh, baba, je n'ai pas répondu, j'ai rien dit. Quand on est des victimes de la méchanceté, moi, je pense qu'il faut s'éloigner de la personne, pardonner la personne, fermer la page, la porte, l'endroit de cette personne et puis c'est fini. Parce que c'est comme un train. Quelqu'un va à cette station, l'autre descend à une autre station, quelqu'un d'autre monte dans le train et le train continue. On ne va pas s'approcher. La personne t'a fait le mal et la personne même maintenant veut revenir. Non, moi, je ne pense pas. La Bible nous dit que vous ne devez rien, 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 rien à personne si ce n'est que l'amour. Je vais t'aimer dans le nom de Jésus, mais ça s'arrête là. Basta, on continue plus là. C'est fini. Si, non, l'opposé, je t'avais dit, l'opposé ou le contraire de la méchanceté, c'est la gentillesse. Maintenant, on dit chez nous, trop bon, trop cuant. Peut-être c'est ça. Dans la méchanceté, et Nathalie a dit qu'il y a la méchanceté spirituelle. Et c'est dans Éphésiens 6 qu'il nous dit que nous ne luttons pas contre la chair, le sang. Ce n'est pas que la vérité n'a mêlé que Boroué a mis à la honte par la cour. Traduction en français, s'il vous plaît. C'est pas parce que tu dois faire quelque chose à la personne avant d'être méchant, à un esprit avant d'être méchant. Tu viens de dire, ils sont descendus du ciel et ils ne nous donnent pas la paix. Ils veulent seulement faire la méchanceté. La Bible nous dit que contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ça veut dire que dans les lieux célestes, ils nous voient. C'est pour cela, moi, je dis aux enfants je dis aux enfants, plaidez le sang de Jésus, que le sang de Jésus plaide ta cause quand tu sors de la maison, qui te court, quand tu es partout. Le sang de Jésus n'appelle pas maman, 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 non. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, sang de Jésus, covami, des sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est ça. Parce que dans les lieux célestes, il y a des mauvais esprits
qui te voit, qui voit ta lumière, qui voit ton dévouement, qui voit ton cœur avec, comme un Job, ton cœur, le cœur de servir le Seigneur. Il y a des amis qui disent, pourquoi toi le dimanche tu vas à l'église avec ta maman, pourquoi tout le temps tu joues la batterie, toi tu joues le piano, pourquoi vous chantez, je dis, hey, si vous ne voulez pas me suivre, il y a la maison de votre papa, allez, vous allez de l'autre côté, si vous êtes ici, c'est aller jouer la batterie, toi tu es sur le piano, toi tu guides les chansons sur l'ordi, le grand tableau, la grande télé de c'est ça, je dis, c'est ça la couverture. Parce que quand tu es ici, tu es épargné de la délinquance, du vol, de la prostitution, de tout. Mais quand tu ne viens pas avec moi, tu vas t'exposer. Voilà, la couverture, le sang de Jésus, c'est ici. Tu viens, tu écoutes la parole de Dieu et la parole de Dieu peut te changer, peut te dire stop. On se moque pas du professeur, on ne répond pas au faux professeur. On est gentil dans le bus, quelqu'un, une personne âgée vient, tu te lèves, tu lui donnes la place. C'est ça, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu deviens gentil. Merci maman, merci papa, bonne nuit maman, bonne nuit, au revoir et tout. On ne type pas, on ne fait pas comme les Africains. Voilà. Donc, dans les lieux célestes, il y a la méchanceté. Mais quand tu es sous la couverture de Dieu, tu plaides le sang de Jésus, j'applique. L'application, je dis l'application que tu as dans ton téléphone là, c'est le sang de Jésus, tu appliques le sang de Jésus sur toi, ça va te couvrir de tout, de tout, de tout. Donc il y a la méchanceté spirituelle, c'est vrai, qui existe, ce n'est pas les tassinons, ce n'est pas les boconons, mais c'est les esprits qui veulent s'amuser. Et tu viens de le dire, ils sont descendus, ils ne veulent pas nous donner la paix. Voilà, il n'y a que Dieu qui peut nous préserver. Et j'aime bien le passage qui dit que celui qui habite sur la boue du terreau repose à l'ombre de Tout-Puissant. Au moins, nous nous reposons à l'ombre de Tout-Puissant. Ouais. Amen. Amen. Merci, ouais. Sœur Roberta. Nous voyons que vraiment ton cœur est encore blessé et que tu es encore très remonté. Tu vois, moi, dans le cas d'espèce, le deuxième cas d'espèce que tu as expliqué, je suis d'avis avec toi que si quelqu'un, j'ai vu, qui a essayé déjà de me nuire, de me détruire, et que je n'ai pas voulu garder en compte la personne, que je ne suis pas obligé d'être encore à l'ami de la personne. Voilà. Si on a été très amis avant, très proches avant, très confidents avant, que tu as fait des choses qui m'ont vraiment blessé, qui m'ont vraiment traumatisé, qui portait visiblement la marque de quelqu'un qui veut nuire, qui veut détruire, quelqu'un qui veut à la rigueur même tuer, et que j'ai compris ça, et que vraiment j'ai souffert de ça, et que maintenant, parce que l'Esprit de Dieu est en moi, et que je t'ai pardonné comme me recommandent les Écritures, ça veut dire que j'ai décidé de ne plus te garder rancœur ni rancune. J'ai décidé de ne plus cultiver l'amertume dans mon cœur, que je me suis dégagé de toutes ces émotions négatives et que je suis prêt encore à te faire du bien. Mais ça ne veut pas dire que tu es encore redevenu mon ami. Hein? Non, voilà. Les gens confondent souvent ça. Pardonner quelqu'un ne veut pas dire que vous redevenez ami avec la personne. Hein? Non. Tu peux pardonner à la personne, mais tu apprends des leçons de ce que vous avez vécu. Ouais. Ouais. Parce que si tu ne te protèges pas, tu risques de tomber encore victime de la même méchanceté sous une autre forme encore plus grave après. Yes. Et pour ça, moi, dans ton cas, par rapport à la personne, j'aurais le courage de dire, écoute, je ne pourrais pas te rendre ce service, malheureusement, parce qu'il y a eu des entités dedans. Je vais pardonner, mais je ne veux pas encore rendre service. Et après, quand tu vas me rendre le revers de la médaille, ça va encore me faire mal. Tu vois, être clair avec les gens. En tout cas. Ça aussi, c'est la sagesse. Mais si tu ne dis rien, tu mets la personne un peu comme si, oh, bon, il veut pas me parler.
Et tu vas justifier même la personne pour dire, ah, il ne veut pas me parler. Non, 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 non. Parle à la personne. Surtout quand vous êtes de la même famille de Dieu. Parle à la personne. La Bible ne nous dit-elle pas que si nous devons donner une offrande à Dieu, que ce soit même dans les prières que nous offrons à Dieu, les actions de grâce que nous donnons à Dieu, ou bien que ce soit même les recueils, et que nous nous rappelons que quelqu'un a quelque chose contre nous, de laisser les offrandes là-bas devant l'autel, d'aller voir la personne, de régler le problème avec la personne, avant de revenir présenter nos offrandes. Ne coupez jamais la communication avec ceux qui veulent vous nuire. D'abord, la communication avec Dieu, ne la coupez pas. Portez plainte, demandez justice. Ne prenez pas vengeance vous-même. Mais la communication avec la personne, c'est autant que faire se peut garder la communication. Dans ton cas d'esprit, il faut parler à l'autre. Non, je ne peux pas. Et tu expliques pourquoi tu ne peux pas. Clair, honnête, direct. N'y a pas de honte Merci. là-dessus. C'est ça qui Merci. va prouver à l'autre que vraiment tu as une sagesse qui dépasse la sienne ou bien tu as une attitude qui te, toi-même, tu veux te protéger, tu ne veux plus t'exposer pour subir des choses que tu ne voulais pas subir encore. En tout cas, Merci. c'est ce qu'il faut faire. La parole nous dit aussi que quelqu'un, Pierre, un jour est venu vers Jésus, lui a dit, combien de fois je dois pardonner à mon prochain? Ça veut dire quelqu'un avec qui tu partages pratiquement les mêmes valeurs. Est-ce que je vais le faire 7 fois? Et Jésus a répondu, non, pas 7 fois, 7 fois, 70 fois. Quand tu fais le calcul de 70 fois 7, ça fait combien? 490, non? Autant de... Il y a des gens qui n'ont pas le cœur à faire ça. Certains auront, pourraient dire à Jésus, Jésus, tu m'excuses, hein? Les autres peuvent faire, mais moi, je ne veux pas faire. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Cette capacité de te surmonter parce que l'Esprit de Dieu est en toi qui fait que tu peux pardonner. Ça veut dire que tu es capable à ne plus entretenir rancœur, rancune contre la personne qui a voulu te nuire, te détruire. Et cette capacité où tu peux encore faire du bien à la personne, mais cela ne veut pas dire que faire du bien, ça veut dire forcément être ami avec la personne. Ce n'est pas tout le monde que vous devez accepter d'être ami. Même Jésus, il a choisi 12 apôtres, n'est-ce pas? Mais de ces 12 apôtres, combien d'apôtres étaient très proches de lui? Il n'y avait que trois. Il y avait Jean. Il y avait Jean qui était encore plus proche. Les trois là, il y avait un même qui était plus proche, c'est Jean. Mais les trois, il y a Pierre, il y a Jacques et puis il y a Jean. Si Dieu choisit 12 et parmi les 12, il se rapproche davantage de trois, qui toi et moi ne sommes-nous pas pour ne pas faire le choix de nos amis? Je disais sur une plateforme où on a échangé un peu sur la thématique de qui peut être ton ami, qui peut être ton ennemi, comment choisir ton ami, comment on ne peut pas choisir ses frères. Je leur disais que le frère que j'ai, la sœur que j'ai, biologiquement correcte, m'est imposé. Je n'ai pas choisi d'avoir mes frères. Donc, je suis obligé de les avoir comme frères et de développer une relation fraternelle. Mais je ne suis pas obligé d'avoir mon frère comme mon ami. Non. Parce qu'avant d'avoir quelqu'un comme ami, c'est que vous avez cheminé ensemble, vous avez partagé les mêmes valeurs ensemble, vous vous êtes entraidés dans beaucoup de domaines ensemble. Peut-être que vous avez chuté ensemble, mais vous vous êtes révélés ensemble. Mais quand on voit que vous vous aimez véritablement, c'est cela que vous pouvez accepter de rentrer dans votre vie comme des amis. Si c'est un frère biologique, une sœur biologique qui devient votre ami, tant mieux. Mais parfois, ce ne sont même pas nos frères, nos sœurs qui deviennent nos amis. C'est des gens du dehors. Ils nous aiment comme nous sommes, sans nous juger, qui viennent nous aider quand nous avons des problèmes. Ils sont toujours là pour nous, surtout quand nous traversons des périodes difficiles. C'est ce gens-là avec qui nous avons développé des relations profondes, sincères, honnêtes, avec qui nous avons eu des expériences très enrichissantes. C'est ces gens que nous acceptons comme amis dans notre vie. C'est pas n'importe qui. Moi, je n'accepte pas n'importe qui comme ami dans ma vie, hein, C'est parce qu'il ça. faut que je me protège. Il faut que chacun de nous se protège. Mais ami que quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi, quelqu'un avec qui j'ai fait du cheminement et on a partagé beaucoup de choses ensemble. On a vu qu'on se reproche, on se rapproche, on a vu qu'on se ressemble dans beaucoup de choses. C'est ça, mon ami. Ça. Cette année s'écoule.
2023, c'est pour bientôt. Nous allons encore rencontrer des gens sur notre chemin, notre parcours, qui vont vouloir être notre ami. Méfions-nous, faisons attention pour vraiment suivre nos critères pour le choix des amis. Nous allons avoir encore eu des expériences bonnes comme mauvaises, des expériences de méchanceté comme de bonté, mais protégeons-nous à chaque fois. Et pour Amen. La protection, tu as bien parlé du sang de Jésus pour nous qui croyons. Invoquer le sang de Jésus-Christ, demander à ce que ça nous couvre nos familles, couvre nos ouais. amis, c'est très important. Ouais. Parce que le sang peut faire beaucoup de choses dans le spirituel qu'on ne peut même pas voir dans le réel. Ouais. Et ouais. demander aussi, deuxième chose, demander aussi que les anges du Seigneur nous protègent et combattent nos ennemis, surtout les invisibles, fait aussi ouais. partie de la stratégie de protection personnelle. Ouais. Ouais. Parce que si tu n'es pas protégé, tu seras exposé. Et si tu es exposé, l'ennemi va te frapper. Et quand l'ennemi veut te frapper, c'est trois choses, sa spécialité. Il vient pour voler, pour détruire et pour égorger, vous tuer. Ou bien quelqu'un dira, il vient pour nuire et pour maudire et pour détruire. Donc, tu dois te protéger. Les anges sont des serviteurs qui sont au service des saints. Des personnes qui ont une relation avec Dieu, des personnes qui sont dans la nouvelle alliance, des personnes qui ont Jésus-Christ en eux, des personnes qui sont remplies de l'Esprit. Vous avez tous, nous avons tous nos anges. Mais si tu n'utilises pas tes anges, tu ne leur demandes pas de t'aider, dans ce cas d'espèce, de te protéger contre la méchanceté des hommes comme la méchanceté des démons. Ils ne le feront pas parce que c'est à toi de leur donner des ordres pour fonctionner. Ok. Un autre outil puissant pour te protéger contre la méchanceté et vivre dans la bonté de Dieu, c'est de développer une certaine sagesse dans les relations que tu as avec les uns les autres. J'en ai expliqué un peu plus tôt, mais je le rappelle encore. La sagesse, tu ne peux l'avoir que de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Dans tes prières, demande à ce que Dieu te donne la sagesse de savoir comment tu vas gérer tes relations humaines pour te protéger contre la méchanceté. Comment tu vas gérer les attaques du malin et des démons pour te protéger contre la méchanceté? La sagesse vient de quoi? La sagesse vient de l'application de la connaissance de la vérité que tu as appris de la parole de Dieu. Ceux d'entre nous qui ne veulent pas aller lire les Écritures au quotidien, qui ne veulent pas finir leur Bible chaque année, je ne sais pas. Si vous le savez, vous perdez beaucoup d'opportunités de vous développer dans la sagesse. La grâce que Dieu me donne d'avoir au moins un grain de sagesse vient du fait que je me suis imposé une discipline d'étudier les Écritures régulièrement. Et nous n'avons jamais eu de réunion, ni cette semaine, ni ce mois, ni les précédents mois de cette année, parce que nous n'avons jamais manqué à nos réunions de vendredi. Nous n'avons jamais eu de réunion sans parler de la parole de Dieu. Vous avez remarqué ça, non? Oui. Et la parole de Dieu est abondante. Oui. Une grande sagesse oui. qui a été ajoutée déjà à oui. notre réserve de sagesse. Parce que si tu n'as pas de sagesse, tu vivras une vie de folie. Et si tu vis une vie de folie, tu seras exposé. Et si tu es exposé, l'ennemi va te frapper, va t'attaquer, va chercher à planter de l'ivraie dans ton champ de blé, va passer par des personnes interposées pour pouvoir te nuire, te détruire, te maudire. Mais quand tu as la sagesse, tu es protégé. Et tu anticipes, et tu gères. Quand tu es victime, même tu sais comment gérer ça pour t'en sortir. Ce sont des choses profondes qu'on explique ce soir. Si vous en prenez compte, vous allez voir qu'à partir de maintenant, de tout ce que l'ennemi a prévu de mauvais contre toi, comme il a fait contre Job, et comme il a voulu le faire contre Jésus, par des personnes interposées qui sont les pharisiens et les docteurs de loi et les sacrificateurs, ou comme on a averti Paul dans ce qu'on a lu aussi dans le livre de Actes 20 qu'on a lu. On a vu que Paul voulait aller à Jérusalem, mais on lui a dit ne va pas, parce que la prophétie même disait, ah, si tu vas, les gens vont t'attaquer. Si tu vas, les gens
Acte 21, pardon. Si tu vas, les gens vont t'attaquer. Si tu vas, les gens vont te faire du mal. Vous comprenez? Mais il a dit, moi, je vais aller pourtant, parce que, bon, lui, il était encore zélé pour le Seigneur. Il s'en foutait de ce que les gens allaient lui faire. Certains d'entre nous, c'est pas qu'on s'en fout, hein, on est très sensible au mal que les gens nous font, à la méchanceté les gens nous font subir. Et quand tu sais que tu es sensible à la méchanceté, sensible au mal, sensible à tout ce que les gens veulent faire pour te détruire, il faut apprendre à te protéger, il faut apprendre à gérer, il faut apprendre même à ne pas tomber dans leur piège. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés, ce soir. C'est de ça que j'ai voulu nous entretenir pour que chacun de nous puisse être prêt pour maintenant et pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a développé? Des questions? Non, on va. D'accord. Sœur Roberta, as-tu des questions? Non, merci. OK. Vous avez vu, pour terminer, je vais tirer quelques conclusions rapidement, peut-être pour nous enrichir davantage. Je me suis posé la question de savoir comment je peux être maître de moi, de mes pensées, pour que quand je suis victime d'une méchanceté, que je ne développe pas de l'amertume. OK. Comment est-ce que je dois développer un mental fort pour que face à l'adversité, surtout à la méchanceté dans l'adversité, je reste toujours plus que debout. D'abord, vous avez vu que Job s'est beaucoup plaint. Il était amer dans son âme de tout ce qu'il a subi comme malheur. Ne sachant pas ce que d'où ça venait, mais il était déjà amer. Il s'est plaint. Il a même dit qu'il maudit le jour qu'il a vu naître, qu'il la terre qu'il a reçue, qu'il aurait préféré même mourir avortant. Vous imaginez, c'est de l'amertume qui l'a fait travailler comme ça. Est-ce que toi et moi, on doit laisser l'amertume nous faire parler à tort et à travers? Non! On doit surmonter l'amertume par la sagesse. Alors, sachez très bien que l'amertume, j'essaie de m'exercer, hein, l'amertume, excusez-moi. C'est une forme de ressentiment qui provoque une forte hostilité envers les autres qui nous ont fait du mal. Quelqu'un veut te faire du mal, quelqu'un veut te nuire, tu as ressenti de l'amertume contre la personne. Il faut surmonter ça parce que ça, ce truc-là peut te détruire. C'est pire qu'un poison dans ton cœur. La Bible nous dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et ce texte de la Bible poursuit en nous apprenant comment gérer l'amertume et tout ce que l'amertume produit comme fruit. Vous verrez ça dans Éphésiens 4, versets 31-32. Il poursuit ceci en disant, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Imaginez, si Dieu devait nous juger par rapport à tout ce qu'on a fait de méchanceté nous-mêmes, parce que nous-mêmes, si on était méchants contre Dieu avant, qu'on ne le connaissait pas, qu'on refusait de marcher à sa suite, qu'on refusait d'obéir à ses voix. On était méchants avant, quand nous n'avons pas reçu l'Esprit en nous, parce que c'était le côté charnel qui travaillait en nous, pas le côté divin qui travaille maintenant en nous, parce qu'on est rempli de l'Esprit. On était méchants, parce qu'on rendait coup par coup. Quelqu'un nous fait du mal, on lui rend le mal. On était méchants avant. Mais c'est dans la grâce, par la grâce, que nous avons été sauvés et que maintenant l'Esprit a commencé à travailler l'aspect divin en nous et fait disparaître petit à petit l'aspect humain, l'aspect charnel, l'aspect du vieil homme. Je vais rappeler à toi, ma soeur, mon frère, ma soeur, ce soir, que l'adjectif amer signifie qu'il a gardé un goût désagréable, venimeux en lui-même, dans son cœur. C'est comme de l'eau empoisonnée qui est tombée ou bien qui est donné à boire à la femme soupçonnée d'adultère que vous pouvez redécouvrir dans le livre de Nombre, chapitre 5, verset 18. Il est écrit ceci que l'eau amère qui apporte la malédiction.
Au sens figuré, l'amertume est un état mental ou émotionnel qui nous ronge et qui nous empoisonne intérieurement et se manifeste extérieurement. On devient tellement amer qu'on veut faire du mal autour. On dit celui qui a blessé, blessera. C'est un peu dans le genre-là. L'amertume peut être due à un deuil parfois profond. Et des gens, parce qu'ils ont perdu des parents proches, se sont rebellés contre Dieu, se sont fâchés contre Dieu. Vous imaginez si Job devait se rebeller contre Dieu, il l'aurait fait. Parce qu'il a dit, Dieu, attends, tout ce que tu m'as donné, comment tu peux permettre à ce que toutes ces choses-là me soient ôtées? Mais ses enfants sont morts, il est rentré en deuil. Mais ça, il n'a pas développé l'amertume au point de maudire Dieu. L'amertume qu'il a développée, c'est au point de se maudire lui-même, de maudire le jour de sa naissance. Et oui, ce tas de deuil... Pardon? Sœur Nathalie, tu as quelque chose? Non, j'ai dit tout à fait. C'est ça. Et donc, un deuil peut provoquer de l'amertume vis-à-vis de Dieu. Surtout quand ce deuil a été un assassinat d'un de tes parents, contre la personne qui a assassiné ton parent ou bien qui a été à la cause du décès de ton parent, tu ne veux pas de lui quelque chose de bien, hein, ça c'est clair, on comprend que tu peux développer l'amertume. Mais nous voulons apprendre ce soir à surmonter notre amertume pour que ça ne nous tue pas à notre tour. Et cela peut affecter notre esprit comme un poison qui affecte le corps. L'amertume, il s'agit d'un état d'esprit dans lequel nous refusons consciemment de renoncer à notre colère. L'amertume aussi, c'est source de... S'il y a toujours une colère au fond qui crée l'amertume, tu es fâché tellement contre la personne que tu ne veux même plus entendre parler de la personne. Si bien que nous pouvons nous sentir offensés ou exposés de fureur à tout moment. Dès qu'on te nous touche, on réagit en même temps. C'est quelqu'un qui devient amer, ça. Parce qu'il a été victime de la méchanceté humaine et de la méchanceté spirituelle. Bien-aimé, je veux t'avertir ce soir, le plus grand danger quand on laisse l'amertume envahir notre cœur et notre état d'âme est qu'elle nous empêche toute réconciliation avec l'autre. On en a parlé un peu. Parce que si tu es en Christ et que tu n'as pas la culture de te réconcilier avec ceux qui t'ont offensé. Donc, tu vas te priver de beaucoup de choses. L'esprit même ne pourra plus fonctionner en toi. Par conséquent, l'amertume mène à la colère, qui est la manifestation extérieure des sentiments intérieurs. Vous avez vu la sœur Roberta tout à l'heure, non? Elle était en colère quand elle parlait. Ça veut dire qu'elle a encore en elle quelques grains d'amertume. Il faut qu'elle traite ça, il faut qu'elle enlève ça de son cœur et de son état d'âme. L'amertume mène souvent à des conflits. Quand la personne est en colère, ou bien quand la personne en colère ressent le besoin de faire entendre ses griefs à tous, vous allez voir qu'il c'est quelqu'un qui est tout. Il y a des gens, vous les voyez tout le temps, ils veulent faire parler à des gens. Ces gens, quand vous fouillez au fond de leur cœur, c'est des gens qui sont très amers parce qu'ils ont été victimes de la méchanceté humaine. C'est triste. Que cela ne soit pas ton lot ce soir, bien-aimé. Amen. Quitte dans ça. Ôte-toi de ça. Surtout en 2023, non. Je ne veux plus laisser ton cœur être envahi. Parfois, le malin fait esprit, il veut créer des situations que tu sois amer. Quand tu es amer, maintenant, il peut te manipuler mieux. Pour faire du conflit, de ta vie, une vie de conflit avec tout le monde. Tu cherches parable à tout le monde. C'est ce caractère que tu as développé. Ce n'est pas bon. L'amertume mène également à la calomnie. C'est des gens qui sont prêts à mentir sur le compte des autres. Il y a des gens qui passent tout le temps à accuser les autres parce qu'ils sont amers. Dans Éphésiens 4, il ne s'agit pas de blasphème contre Dieu ou de mensonge erranté à l'encontre d'autres hommes, mais de tout discours inspiré de colère dont le but est de blesser les autres. Quand vous écoutez le langage de quelqu'un qui est amer parce qu'il a été victime, parfois c'est même pas beau à écouter. Quand vous finissez une conversation avec une telle personne, vous êtes tellement vidé, votre énergie est tellement vidée que vous n'avez plus envie d'appeler la personne.
C'est pour ça que les gens préfèrent se tenir loin de ceux qui sont amers, de ceux qui sont en colère. Bien-aimé, tout cela mène à un esprit de méchanceté. Ce que vous reprochez à l'autre, vous risquez d'être cette chose que vous reprochez à l'autre. Parce que vous avez laissé ces graines d'amertume pousser dans votre cœur, dans votre état d'âme, dans votre esprit, dans votre pensée. Vous risquez de lui ressembler. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Et vous risquez de développer aussi des sentiments très durs, pouvant aller jusqu'à la haine intense contre la personne. Ne laissez pas ça, c'est un piège du malin. C'est dans ça que Job, que le diable voulait pousser Job, voulait enfoncer Job, pour qu'à la fin, il soit tellement dégoûté de lui-même, dégoûté de la vie, dégoûté de Dieu et commencer à maudire Dieu. Heureusement qu'il a passé le test, qu'il n'est pas tombé dans le traquenard. Bien-aimé, une telle attitude est charnelle et diabolique. C'est vrai, tu as déjà été victime, hein, mais ne devienne pas le prochain bourreau. Parce que tu vas ouvrir la porte au malin pour t'utiliser maintenant pour devenir le prochain méchant. C'est pour ça, là, on nous dit ici, c'est charnel. Ça veut dire, reviens dans la chair au lieu de vivre dans l'esprit, de marcher par la foi. Et c'est diabolique. Ça veut dire, toi-même, tu as un petit démon là-bas, tu ne le sais pas. La méchanceté est une intention délibérée de faire du tort à autrui. Qui est blessé, blessera. C'est pourquoi nous devons renoncer à toute forme d'amertume et de méchanceté. Éphésiens 4, verset 31. Pour conclure, je dirais tout simplement ici, protégeons-nous contre l'amertume en nous protégeant contre les attaques de méchanceté. Et même quand nous sommes attaqués, quand nous sommes poussés par l'autre qui veut nous détruire, qui veut nous nuire, qui veut nous maudire, sachons comment gérer ça avec beaucoup de sagesse. On en a lu une liste, une tonne ce soir. Vous pouvez en garder et pouvez méditer. Une personne amère est pleine de ressentiment et de cynisme. Rappelez-vous bien, cette personne est dure, froide, intraitable et très désagréable. Ne soyez pas comme cette personne. Certains même qui sont vos bourreaux sont dans ce cas-là. Ne soyez pas comme eux, ne vous laissez pas contaminer. Je le répète encore, chacun de ces traits de caractère s'oppose aux traits de caractère que Dieu veut que ses fils et ses filles possèdent. Parce que quand vous avez ces traits de caractère, vous devenez charnel, vous n'êtes plus spirituel. Et si vous voulez être spirituel, vous allez voir dans Galates 5 ce que ça veut dire. Quand vous voulez savoir si vous êtes charnel, allez lire aussi dans Galates 5. Dans Hébreux 12, verset 15, on nous met en garde. On dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Bien-aimés, ce soir, je vous en supplie, écoutez bien cela. Victime, c'est une chose. Devenir bourreau parce que vous avez été victime, c'est aussi une autre chose. Et c'est souvent dans la logique, il faut casser cette logique-là. Nous ne devons en aucun cas laisser des racines d'amertume grandir dans notre cœur, car elles nous priveraient de la grâce de Dieu. Le flux de l'esprit ne pourra plus aller. Dieu veut que ses enfants vivent dans l'amour, dans les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, et aussi dans ce caractère des fils et des filles de Dieu qui est la sainteté et non dans l'amertume. Par conséquent, pour terminer, en tant que croyant en Christ, nous devons toujours nous tenir sur nos gardes contre le danger de l'amertume que protège, que provoque les attaques de méchanceté, de malveillance, de nuire, de détruire et de maudire dont nous sommes souvent victimes. Voilà tout pour ce soir, bien-aimés. Dieu regarde. Prenez le temps de méditer cela et préparez-vous pour 2023. Amen. Amen. Vous nous recevez encore, c'est bon? Amen.
Sœur Nathalie, Sœur Roberta. Oui. C'est bon, amen. Vous nous recevez? Oui, oui. On termine ainsi l'exhortation. Ça a pris un peu de temps, mais le sujet était tellement délicat que j'ai voulu approfondir cela pour qu'il y ait des guérisons ce soir, qu'il y ait vraiment des délivrances ce soir, qu'il y ait des restaurations ce soir. Nous allons inviter notre sœur le chante Nathalie, la chante Nathalie, pour nous conduire un peu dans le cheminement de louange et d'adoration. Et nous allons en même temps enchaîner avec la prière pour terminer. Sœur Nathalie, prépare-toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen. Amen. C'est bon, puis y aller. Oui, tu peux y aller, ma sœur. Nous allons suivre le cheminement de la louange et de l'adoration et nous te donnons 10 minutes pour nous conduire dedans et en même temps, on va enchaîner avec la prière. Ce soir, on doit prier pour les délivrances contre l'amertume, pour les protections contre la méchanceté et aussi pour que nous soyons vraiment les enfants, les fils et les filles que Dieu veut que nous soyons. Qui surmonte et qui triomphe de toutes ces attaques et du malin et des gens et des hommes et des femmes qui nous entourent. Mm-hmm. À le nom de Jésus. Donc, ma sœur, on va déjà commencer à adorer Dieu, à le louer en esprit et en vérité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, béni le Seigneur. C'est sûr que de la même façon que nous, tout comme sur en direct, nous sommes bénis. C'est de la même façon que ceux qui suivent et qui vont suivre seront aussi bénis. Que le Seigneur soit loué. Amen. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Oui, gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Que tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Que tout le monde chante Alléluia. 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 Eh Yahweh, good mama. Eh Yahweh, eh Yahweh, good mama. Eh Yahweh, eh Yahweh, good mama. Eh Yahweh, 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 eh Yahweh. Eh Yahweh, mama. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, mama. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh.
Thank you, Jesus. You are Yahweh. Alleluia. Oh,
Hey, Abu Chocho, O Duato, O Yo, O Nelu, O To. A make a dragon, Ayen in yellow, Ya Popo, Hado, Ado, Abu Chocho. Au doigt, au grand ben, hello, hello. Voici nous deux, au dodo, au grand ben, hello. Oh no. Indala Roshu Kindala. C'est le moment dans cette session, chacun de nous est appelé à parler à son Dieu, à le remercier pour ce qu'il fait et à révéler tout ce qui se révèle être pour nous, le Dieu sauveur, le Dieu qui délivre de l'amertume quand nous sommes victimes, Dieu qui nous protège contre toute forme de méchanceté quand nous sommes attaqués, le Dieu qui nous restaure quand nous sommes tombés, le Dieu qui nous donne les promotions, le Dieu qui nous élève quand les gens veulent nous rabaisser. C'est ce Dieu-là que nous célébrons ce soir. Bien-aimé, ouvre ta bouche, célèbre ce Dieu. Dis-lui merci. Et confie encore ta vie entre ses mains. Parce que avec lui, nous faisons des exploits. Et c'est lui qui écrase nos ennemis et renverse toute adversité, y compris l'adversité de la méchanceté. Ce soir, nous voulons prier. Nous voulons dire merci à ce Dieu-là qui œuvre en notre faveur. Ce Dieu-là qui s'est sacrifié pour nous dans la personne de Jésus-Christ. Ce Dieu-là qui a versé son sang pour le purifier. Ce Dieu-là qui a rempli de son esprit pour que nous soyons des fils et qui disent Abba, Père. Ce soir, pour ce Dieu-là, bénis ce Dieu-là, remercie ce Dieu-là, dans le nom du nom de Jésus. Le diable et la lumière spectacle y a de Merci Seigneur, béni sois-tu, louange et gloire à toi. Béni sois-tu, libérons le ministère des anges en notre faveur. Bien-aimé, prie. C'est toi qui dois demander pour recevoir. Nous allons intercéder, c'est vrai, pour chacun de nous, mais chacun doit prier individuellement pour demander dans le nom puissant de Jésus. Alors prions. Rabba, Shinda, Rabba, Gaba, Shinda, Rabba. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Rabba Shinda. Bien, mais nous continuons donc dans la logique de la prière. Ce soir, nous voulons nous réconcilier avec Dieu aussi. Parce que vous savez, comme nous l'avons vu, les gens nous font de la méchanceté. Mais sais-tu que toi, si tu fais de la méchanceté contre Dieu, sais-tu que tu brises les lois que Dieu a établies? Ça, c'est de la méchanceté. Une méchanceté, c'est faire mal à quelqu'un. Dieu t'aime, mais toi, tu lui fais du mal. C'est de la méchanceté.
Ce soir, nous allons confesser toutes les méchancetés que nous avons faites vis-à-vis de Dieu. Et nous allons demander pardon pour cela. Dieu est toujours clément, toujours plein d'amour. Quand nous lui demandons pardon parce que nous avons reconnu nos torts, il nous pardonne et il ôte tous les péchés. Tout ce qui est retenu contre nous est ôté. Parce que le sang de Jésus a été versé à la croix de Golgotha pour effacer tout ce qui peut être péché et qui peut être retenu contre nous. Ce soir, bien-aimé, je veux que tu parles à ton Dieu. Dis-lui comment tu sais que tu es un grand pécheur qui a fait plein de méchancetés dans ton passé comme dans ton présent et comment tu le feras dans ton avenir, bien entendu, parce que tu es encore dans cette chair-là. Et demande pardon pour cela. Demande-lui de te purifier de toute iniquité, de toute méchanceté, demande-lui de te purifier de toute amertume aussi, parce que ça fait partie du lot. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, prie. Rabba Kandara Bashinda, bien-aimé, prie. Seigneur, nous venons vers toi parce que nous savons que nous avons péché contre toi ce soir. Nous nous repentons, nous nous reconnaissons pécheurs, nous te demandons pardon pour cela. En pensée, en parole, par action, nous t'avons offensé. Méchanceté, nous l'avons fait. Seigneur, chercher à désobéir à telle loi, nous l'avons fait. Pardonne-nous. Rebelles, nous l'avons été. Pardonne-nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Pardonne-nous tous nos mensonges, pardonne-nous, Seigneur, nos tromperies, Seigneur, pardonne-nous ces choses, et purifie-nous de toute iniquité, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En même temps qu'on demande pardon à Dieu, pardonne-nous aussi à nos frères qui ont été méchants contre nous. Pardonnons-les, ne retenons pas ces choses-là. Ne laissons même pas une graine d'amertume poussée dans nos cœurs à cause des méchancetés dont nous avons été victimes. Bien-aimé, prie pour pardonner à un frère ce soir. Bien-aimé, prie pour pardonner à un frère ce soir. Je pardonne à un frère, à une sœur, je pardonne à un ami, à un ennemi qui m'a attaqué et qui a été manipulé par le malheur pour me détruire, pour me nuire, pour même parfois me finir. Je pardonne à ces gens et je demande justice à Dieu, c'est à Dieu de régler cela, pas à moi. Moi, je pardonne et je m'en vais libre. Je remets ce cas dans les mains du Seigneur. Je sais qu'il va œuvrer en ma faveur dans le nom de Jésus. Il l'a déjà fait et il le fera toujours dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Taraba, bien-aimé, continue de prier. Ratandaraba, shindaraba, rabaraba, et te réconcilier avec Dieu et de te réconcilier en esprit avec ton frère, dans le nom puissant de Jésus. Continue de prier, Rabba Kanta, réconcilie-toi avec Dieu ce soir. Bien-aimé, réconcilie-toi avec Dieu. Seigneur, nous avons besoin de nous réconcilier avec toi. Nous nous repentons de tout ce que nous avons fait. Et tu nous as dit, le plus grand commandement, c'est quoi? C'est aimer Dieu de tout notre être, corps, esprit et âme, et effort et force, et d'aimer le prochain comme soi-même. Ce soir, nous voulons vraiment t'aimer profondément si nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent. Nous voulons vraiment aussi aimer le prochain comme nous-mêmes. Nous voulons même apprendre à nous aimer nous-mêmes. C'est pour ça que nous ne devons garder en nous aucune trace de rancune, de rancœur, d'amertume, ni rien de semblable dans le nom de Jésus. Alors aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir à nous réconcilier totalement dans le spirituel comme dans la réalité avec ceux qui nous ont offensés. Et avec toi que nous avons offensé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'autre requête que nous voulons faire ce soir, c'est de nous libérer. De nous libérer d'entre les fausses amitiés, ceux qui prétendent être nos amis alors qu'ils sont là pour un but. Et le but n'est pas le but d'un ami. Que Dieu révèle ces personnes-là, que Dieu démasque ces personnes-là, que Dieu éloigne et écarte ces personnes-là de nous, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ouvre ta voix et prie pour que Dieu te donne le discernement des esprits, que tu saches qui est qui fait quoi, surtout ceux qui sont porteurs d'un programme de méchanceté, qui veulent détruire, nuire, maudire, que Dieu les dévoile, que Dieu les démasque et que Dieu les éloigne. Et que notre ange gardien triomphe de ces personnes, qu'ils soient dans des personnes proches comme éloignées, que Dieu les révèle et les démasque dans le nom puissant de Jésus. Prions ce soir. Rabba Kandoro Boshinda, Rabba Katarababa, Rabba Shinda, Rabba Yakombo, bien-aimé, prie ton Dieu, demande-lui de t'aider. C'est lui seul qui peut honorer tes requêtes et signer des décrets en ta faveur ce soir. Alors nous prions. Rabba Kandaraba Shindaraba.
Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Ce soir, nous voulons aussi prier pour nos ennemis. C'est la Bible qui le dit, hein, ce n'est pas nous. Priez pour ceux qui vous persécutent, même nous dit la Bible, afin que cet esprit qui s'est emparé d'eux, ou bien ce caractère qu'ils ont développé à faire du mal, à créer des malheurs, à attaquer les gens pour en faire des victimes de la méchanceté, que ce caractère-là soit ôté, que cet esprit-là soit chassé et qu'il soit libéré. Nous prions pour la délivrance. Prions pour la délivrance contre la méchanceté ce soir. La délivrance contre les gens qui font du mal ce soir. Prions, bien-aimés, prie. Saint-Esprit, aide-nous, toutes les personnes-là qui sont nos proches comme ceux qui sont loin et qui nous veulent du mal, qui sont là pour nous rendre victimes de la méchanceté. Nous prions afin que tu les délivres ce soir, afin que tu les libères ce soir. Libère-les ce soir pour que ni les démons qui les manipulent pour faire du mal ne puissent plus avoir emprise sur eux, ni eux-mêmes leur caractère qu'ils ont développé parce qu'ils ont gardé leur amertume en eux, ils ont gardé la rancune en eux, ils ont gardé des rancœurs en eux, ils sont devenus encore plus mauvais même que ceux qui sont mauvais. Seigneur, ce soir, nous prions pour leur délivrance. Délivre-les dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Pour terminer, nous allons maintenant intercéder pour le leadership en général, surtout nos leaders, les gens qui sont en autorité sur nos vies, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine du ministère, que ce soit dans le domaine légal, les juges, etc., que ce soit dans les domaines même de défense, les policiers et tout, que ce soit dans le domaine de la direction suprême du pays, les présidents, les chefs d'État et tout, nous allons prier pour que, au lieu qu'ils soient des outils entre les mains du malin pour pouvoir semer la désolation, pour pouvoir attaquer les populations, pour pouvoir faire des victimes avec leur méchanceté, pour pouvoir, au lieu de détruire, au lieu de nuire, au lieu de maudire, que Dieu puisse changer cela, qu'ils deviennent des outils entre les mains du Seigneur pour qu'ils puissent bénir, pour qu'ils puissent bâtir, pour qu'ils puissent construire dans le nom de Jésus-Christ. Prions pour nos autorités. La Bible dit que nous devons prier pour ceux qui sont érigés en autorité et en dignité sur nous, parce que c'est en faisant cela que les délivrances peuvent s'opérer dans leur vie et que Dieu peut les utiliser pour ramener la paix au lieu d'entretenir la guerre, pour ramener la bonté au lieu d'entretenir la méchanceté. Ce soir, nous allons prier pour ces autorités. Prions. Rababa Shindara Baba. Bien aimé, prie pour ces gens-là. Rakundo Robo Shindara. Prie en esprit si tu veux. Prie en intelligence si tu veux. Mais prie. Rababa. Ne reste pas sans prier. Parce que ces personnes aussi ont besoin de notre intercession. Dieu a besoin d'écouter nos prières pour pouvoir exaucer ses requêtes. Alors ce soir, prie. Raba Kandara Bashindara Bakambara Bashindara. Seigneur, libère ce soir, libère les personnes en autorité, les personnes élevées en dignité ce soir, afin qu'il n'y ait plus de traces de méchanceté dans leur cœur, plus de traces de malveillance dans leur cœur, plus il n'y ait plus de traces de mal dans leur cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient transformés, Seigneur, qu'ils soient convertis à toi, Seigneur, qu'ils donnent leur vie à toi, afin que ton esprit les remplisse et qu'ils deviennent un nouvel être. Qu'ils ne restent pas dans leur vieil être, mais qu'ils deviennent un nouvel être dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu l'as permis. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a une requête spéciale à faire avant de finir? Sœur Nathalie, tu as une requête. Sœur Roberta, tu as une requête. Sœur Gina, tu as une requête. Oups. Sors la fois en fait, parce que j'avais des problèmes, j'étais en train de conduire, donc du coup, je ne pouvais pas changer le mute là. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as une requête par rapport à la thématique de ce soir? Nous voulons finir la prière. Est-ce que tu veux... Ok. Tu pries pour moi. Il faut prier pour ma cousine. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle a, ta cousine? Elle est malade. Mm-hmm.
Depuis, elle fait que, elle sort de l'hôpital et puis elle repart, elle sort, elle repart. Parfois, on dit que c'est des maladies comme les pneumonies, tout ça là, on soigne et puis ça revient encore. Donc, on ne sait pas en tout cas qu'est-ce que, qui ne va pas, quoi. Mmh. Donc, si on peut prier pour elle. Sa guérison. Oui, pour sa guérison. D'accord. On va prier pour la guérison de ta cousine et pour la guérison de tous ceux qui sont malades dans notre communauté BMVG et encouragement, fortifie-moi. Prions. Seigneur, tu nous as dit que par la maîtrise de Jésus, nous sommes guéris. Nous tenons sur cette parole et nous réclamons la guérison. La guérison. La guérison pour cette amie de notre sœur Gina, qui est cette amie qui est malade et qui va à l'hôpital et on ne trouve pas la maladie. Cette amie-là qui est en train de souffrir terriblement de cette attaque de la maladie contre sa vie. Seigneur, nous prions que le sang puisse parler en sa faveur. Il donne la guérison, la pleine guérison dans le nom de Jésus. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont malades dans notre communauté, tous ceux qui sont malades physiquement, qui sont malades spirituellement, qui sont malades émotionnellement. Seigneur, que le sang fasse en eux ce soir. Par les maîtrises de Jésus, que nous soyons tous guéris. Par le sang de Jésus, que nous soyons tous guéris. Par les blessures de Jésus, que nous soyons tous guéris. Parce qu'il a déjà pris sur lui des choses que nous ne devons plus porter. La maladie ne doit plus être notre portion parce que Jésus a déjà pris sur lui la maladie. Lui-même, quand il était là de son passage sur la terre, il n'a fait que guérir les malades. Alors ce soir, nous nous rappelons de tous ces faits, nous nous rappelons de tous ces témoignages, sachant que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui guérit. Alors guéris la sœur et qu'il y ait des témoignages qui viennent après pour dire, parce que nous avons prié, tu as exaucé la prière et tu as guéri la sœur. Parce que nous avons prié pour les autres malades, tu as exaucé nos prières et tu les as guéris. Merci Seigneur pour la grâce de la guérison, que toute la grâce te revienne, toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une requête de prière? Amen. Sœur Nathalie, tu as une requête? Sœur Roberta, tu as une requête? Ils sont encore là. Ouais, il se fait tard chez eux, on va devoir les libérer, on va finir bientôt. Entre-temps, la sœur Gina, toi, je rappelle, tu es ici aux États-Unis avec nous, que souvent les vendredis, tu travailles, mais tu nous suis quand même. Merci beaucoup. Dieu te bénisse, ma sœur. Tout va bien? Tout va bien, ça va. D'accord. Je vous suis, mais sorry, je ne peux rien répondre aux questions ni lire la Bible, donc les versets là, je ne peux pas. D'accord. Entre-temps, je suis en train de conjure parfois, bon. Je suis encore au travail, donc je ne peux même pas. Non. I just have to let you. D'accord. Guys. Mais tu as compris ce qu'on a débattu? Yeah, contre la méchanceté et puis tout ça là. Mm-hmm. Yeah. Oui. Tu as déjà été victime d'une méchanceté toi aussi? Bien sûr, dans ma maison ici là. Oui, ma cousine qui a volé toutes mes affaires, mes habits. Aïe. Avec, oui. Elle est partie avec tous tes habits et tes affaires? Oui. Après tout ce que j'ai acheté, les chaînettes, tout ça là, les habits du... elle a tout pris, elle est partie. Donc, wow. Yep, la méchanceté. Il y a des gens comme ça dans la vie. Comment tu vas faire? Mmh. Aujourd'hui, on a appris comment on va faire. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a dit? Hein? Tu te rappelles de certaines des choses qu'on a dit ce soir? Ou comment traiter la méchanceté pour ne pas être attaqué? Comment traiter la méchanceté pour ne pas être infecté? Parce que tu peux être attaqué, être victime, et tu peux être infecté pour devenir méchant toi-même aussi. Tu sais, non? C'est ça dont on a parlé ce soir. Yeah. Tu as retenu certaines choses, non? L'amertume, non. No. Get into us. On a bien dit que Job, par exemple, a été et attaqué. Comme Job a été attaqué, tout ça là. Et après, l'amertume est rentrée dans son cœur. L'amertume est rentrée et il parlait de n'importe quoi. Voilà, n'importe quoi. Il maudissait même le jour de sa naissance. Même ce jour de sa naissance, tout ça. Oui. On peut parler comme ça. Quelqu'un de normal peut parler comme ça? Ne comprends pas, hein? On ne peut pas parler comme ça. Si tu parles comme ça, ça veut dire qu'il y a you have a mental issue. Oui, il y aura ça. Et ben. Mais ouais. Le frère, tu penses que quand tu es dans la maison, vraiment ta propre cousine te vole tout dans la maison et puis elle part quand tu lui dis que c'est vous ou bien comment, elle commence à se dire que non, non, moi je ne fais pas ça, justifier. Non, c'est pas moi, je n'ai pas fait ça. Mm. Elle t'accuse encore d'être, c'est toi-même
toi, tu es trop petite par rapport à ma taille, je suis grosse, regardez, tu vois, moi, je ne peux pas porter ces habits, des trucs comme ça, mais tant qu'elle sait qu'elle fait, elle a fait ça. Et tu as des preuves que c'est elle qui a volé? Oui. Parce qu'il ne faut pas aussi accuser, si tu n'es pas sûr, il faut avoir des preuves factuelles. Elle portait mes habits dans la maison, je suis là en train de regarder ce mot, je ne disais rien. Et puis elle aussi, elle est tranquille, elle ne dit rien. Jusqu'à ce qu'elle a tout pris. Quand tu achètes comme ça, elle dit, oh my God, tu as beaucoup d'habits, hein? On peut vendre ça, non? On peut donner ça à quelqu'un d'autre, la personne peut vendre ça et puis tu vas faire de l'argent. Moi, je lui ai dit, mais toi aussi, vraiment. Moi, j'achète mes habits, mes affaires, donc je n'ai pas de famille, je vais aller donner à ton ami, vous allez vendre ça, pourquoi? J'ai besoin de mes habits, je préfère donner aux autres là-bas ou bien donner chez quelqu'un pour les orphelins ou bien tous des trucs comme ça. Je vais te donner ça. Ah ouais. Donc, ça ne sert même pas. Donc... Et comment tu as géré ça finalement? Tu l'as confondu, comment tu l'as géré? C'est dur. Hein? J'ai parlé à son mari et tout ça là, j'ai parlé même à mes parents, tout ça là. Et elle-même, elle dit seulement qu'elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça, elle nie. Mais de toute façon, anyway, c'est les choses de la vie. Mais est-ce que tu as pris le temps de prier pour elle, pour que Dieu ôte de son cœur cette méchanceté qu'elle t'a fait? Ah, j'espère qu'elle ne va pas faire ça. Bien sûr, j'ai prié. J'espère qu'elle ne ferait pas ça quelque part d'autre. D'accord. Et toi, tu n'as pas été infectée de l'amertume? Tu n'es pas amère contre elle? Bien sûr! Je ne lui parle plus, hein. On ne se parle plus. Moi, je l'ai laissé. Mais comment tu peux faire les choses comme ça? Ça, c'est tuer quelqu'un. Comment tu peux voler chez ta propre cuisine? Ne pas faire ça quelque part. De ne pas prendre seulement un, deux fois et puis tu laisses, mais tu voles tout, toutes ces affaires. Mais ça, c'est quoi? Aïe! On ne se parle plus. J'ai coupé vraiment le contact. Quoi. Je ne veux plus appeler et je peux seulement pour elle qu'elle va comprendre que ce n'est pas ça. C'est ça. En tant qu'une chrétienne, toi, tu prends la Bible, tu lis la Bible tous les jours, tu sais qu'est-ce que la Bible et ce que la Bible dit. Mais tu as fait ça, de ne pas voler, de ne pas faire ceci, tu le fais? Non. Mais j'ai seulement des questions, je me pose toujours des questions. Parfois, ça arrive à sa vie et je dis, oh mon Dieu. Juste comme en ça. En tout cas, c'est des choses qui arrivent et qui vont toujours arriver. Comme on l'a dit ce soir, 2023, on veut avoir plutôt prévenu pour mieux guérir. On veut faire de la prévention. Yeah. Si Job avait fait de la prévention, il n'aurait jamais été attaqué par le malin. Parce que le malin allait faire popato contre lui là, auprès de Dieu. Et Dieu était obligé pour prouver que Job était intègre, de permettre que le diable fasse quelque chose contre Job, pour voir si Job a maudit Dieu. Mais si tu pries d'avance, si le diable va là-bas pour faire popato contre toi, Dieu va le renvoyer. Écoute, dis-moi, ma fille, mon fils a déjà prié. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est pour ça que nous sommes en train de développer cette thématique ce mois-ci. Très important. C'est dur. Autre chose aussi que je voudrais dire, il y a le pasteur Dorcas qui nous a rejoint là. Pasteur Dorcas, bonsoir. Tu nous reçois? Bonsoir. Bonsoir, frère Ophé. Bonsoir, l'Assemblée. Bonsoir. Pasteur Dorcas. Excusez-moi beaucoup. Tout va bien? Oui, ça va. Si tu vas bien, c'est le je plus important. Rentrer, yeah. C'est le plus important. Je viens de rentrer comme ça. Yeah. C'est ça. Soyez bénis abondamment. Amen. On a pratiquement fini la réunion de ce soir. On était tout simplement en train de vous accueillir, vous deux, qui nous avez rejoints pratiquement. Gina était là, mais son micro était coupé. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que c'était connecté avec la voiture, mais mon Bluetooth, ça ne... Ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Quand je faisais les mutes là où j'ai mis les autres, ben ça ne passait pas. j'appuyais, ça ne passait pas. Moi, je dis OK. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, je vous écoutais, mais je ne pouvais pas reprendre parce que j'avais des... Cette vidéo sera disponible tout à l'heure sur YouTube. Vous pouvez aller réécouter ça, de même que sur notre plateforme WhatsApp. Vous pouvez aussi. Non, j'ai vraiment écouté. J'ai tout. Il a tout suivi. D'accord. Bientôt. Ouais. Pasteur Dorcas, est-ce que tu as une dernière requête de prière pour nous avant qu'on ne clôture? Parce que ça fait un bout de temps, on est déjà là et on est en train de partir. Les gens de Lomé sont pratiquement endormis.
Je remercie le Seigneur, évidemment, parce que vraiment, je n'ai pas suivi tout, mais un peu que j'ai suivi, il faut que Dieu nous donne, on prie pour que Dieu nous donne le cœur d'accepter nos frères et sœurs qui sont méchants contre nous. Mais on demande à Dieu lui-même de combattre pour nous parce que on ne peut rien faire. Il ne faut pas que nous rendrons le mal pour le mal. Oui, la parole a dit, nous voulons marcher selon la parole de Dieu. Mais avant que nous pouvons faire ça, il faut que l'Esprit de Dieu dispose notre cœur. S'il ne dispose pas notre cœur, on ne peut pas en tant qu'être humain. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous vraiment, vraiment vivifier, nous convaincre par l'amour, afin qu'on puisse vraiment les reprendre en tant que frères et sœurs encore. Donc, il faut que l'Esprit de Dieu nous aide. Sinon, vraiment, c'est dur. C'est que Dieu lui-même a vu jusqu'à, il a vu que l'être humain, s'il savait, il ne va pas crier. Il faut voir que c'est dur. Mais nous bénissons le Seigneur par Jésus-Christ qui est venu et en partant, il nous a dit, je vous donnerai le consolateur. Vraiment que ce consolateur, le Saint-Esprit nous aide. Et lui-même prend le combat pour nous. C'est ça. Est-ce que tu voudrais prier pour finaliser la réunion de ce soir dans ce sens que le Saint-Esprit nous aide? Parce que, effectivement, ce n'est pas humain. Fais un effort pour surmonter l'amertume, la rancune, les rancœurs, les animosités. C'est vraiment l'Esprit qui peut faire ça. C'est un effort humain. On va te demander, s'il te plaît, de finir la prière avec nous en faisant cette demande-là. On aurait voulu aussi entendre un de tes témoignages de là où tu as été victime de méchanceté, parce qu'il y a eu plein de témoignages ce soir. Comme on n'a plus beaucoup de temps, au moins, il faut prier pour nous, pour que l'Esprit nous aide à devenir des vrais fils et filles de Dieu remplis de son Esprit et qui nous permet de surmonter ces tares qui font de nous des nouveaux méchants. Amen. Sanctifie-nous, Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Purifie-nous, sanctifie-nous. Sanctifie-nous par ton Esprit. Sanctifie-nous, sanctifie-nous. Sanctifie-nous, purifie-nous, purifie-nous, purifie-nous. Seigneur, notre roi, notre sauveur, notre guide, notre enseignant, notre aide, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi en ce moment. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toi qui as dit dans ta parole, papa, demandez, ça sera accordé. Frappez et je vous ouvrirai. Et tu as dit encore une fois, tout ce qu'on dira dans ton oreille, tu exauceras. Ce soir, je te bénis et je te rends gloire pour la vie de nos frères et nos sœurs sur la plateforme BVG, sur ton trône de la grâce. Je bénis ton nom car ta présence est là une fois encore. Merci de nous avoir accordé notre prière, exaucé notre prière.
En ce moment, Saint-Esprit, nous nous confions dans ta main parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous laissons nos cœurs dans ta main. Nous demandons que toi, tu prends contrôle. Tu transformes nos cœurs. Tu nous aides enfin que nous pouvons, Seigneur, recevoir nos frères et sœurs qui sont méchants contre nous. Qui nous fait du mal. Papa, sans toi, nous ne pouvons pas encore les recevoir. Mais nous demandons l'Esprit de Dieu de disposer nos cœurs, de nous aider afin qu'on puisse les accepter, afin que nous puissions les pardonner. Nous puissions encore les reprendre comme frères et sœurs. Car nous savons avec un état d'être humain, nous ne pouvons pas faire c'est sans toi. Accorde-nous cette grâce, papa. Accorde-nous cette faveur, papa. Amen. Afin que nous pouvons disposer nos cœurs pour nos frères et sœurs. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci pour toutes les prières. Maintenant, nous allons partager la grâce et nous allons sortir de cette réunion. Alors, que la grâce de Dieu soit avec nous, que la communion de son esprit soit avec nous et que l'amour du Père soit avec nous dans le nom de Jésus. Qu'il fasse luire sa face sur chacun de nous et surtout, s'il vous plaît, ne laissez pas l'amertume pousser dans votre cœur, ni la rancœur, ni la rancune quand vous êtes attaqué par la méchanceté. S'il vous plaît, ne laissez même pas la méchanceté vous attaquer. Priez pour que Dieu vous couvre par le sang de Jésus, vous envoie ses anges pour vous défendre et pour que vous-même vous développiez une certaine sagesse pour pouvoir gérer des cas par cas où vous êtes soit victime ou bien soit vous-même vous devenez désinfecté de méchanceté. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse dans le nom de Jésus. Qu'il bénisse nos familles respectives, qu'il nous bénisse le travail de nos mains et qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos amis et même nos ennemis. On doit prier pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils changent, pour qu'ils changent, pour qu'ils se transforment dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse, Dieu nous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut. Merci d'avoir participé à cette réunion qui prend ainsi fin. Au revoir. Thank you. Bonne nuit. Bon week-end. Shalom. Bye. Love you too. Bye. Ce qui reste encore, nous allons chanter « Tu peux naître de nouveau » pour toucher le cœur de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Et pour que chacun de nous puisse avoir ce cœur transformé, cette vie renouvelée dans l'esprit. Tu peux naître de nouveau. Je peux recommencer. Le texte est à l'écran. La vie peut être. Oh, tu peux naître de nouveau. Tu peux recommencer, balayer ta vie passée. Tu peux partir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour l'arrivée. Je ne peux pas partir à zéro et repartir à zéro avec Jésus. Tu bois de cette eau, source de pureté, source de vérité. Tu peux boire de cette eau, c'est à l'écran. Tu peux boire de cette eau. Source de la pureté, source de la vérité.
Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Le troisième point. Tu peux être pardonné par tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Et le refrain, source de la liberté. Tu peux recevoir. Tu peux recevoir. Source de la vérité. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Bénis-nous tous et bonne nuit à vous tous. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Shalom. À la bonne nuit aussi. Amen. Amen. Shalom. Shalom.